Bonsoir tout le monde, on m'entend bien. Vous êtes bienvenus à cette assemblée extraordinaire du conseil municipal. C'est très rare qu'on fait des assemblées extraordinaires. Évidemment, il y a une bonne raison à ça. Genre, je m'étais engagé à arriver avec des possibilités, un scénario pour l'entente avec le hockey avant le 1er juin. Nous sommes le 31 mai, à minuit ce sera le 1er juin, donc je suis bien content de pouvoir vous amener ça ce soir. Il est 17h, donc je suis en présence du conseil municipal. Il y a deux absentes ce soir, Mme Christiane Wilson du district 2 et Mme Isabelle Lapointe du district 8. Évidemment, quand on convoque des assemblées extraordinaires, c'est des choses imprévues. Donc, ces deux dames avaient des engagements professionnels à l'extérieur de leur métier. Donc, il y a quelques points, il y a deux décisions concrètement à prendre et il y a un avis de motion à donner qui est lié, évidemment, à la tarification liée au sujet du hockey. Donc, ça prend en point 2. D'abord, il faut l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, Daniel Derech. Merci beaucoup. En point 2, constatation par les membres du conseil municipal de l'avis de convocation. Donc, on a bien évidemment respecté la loi. Tout le monde a pu recevoir l'ordre du jour qui a été envoyé jeudi ou vendredi? Jeudi, je crois. Mercredi, c'est encore mieux. Normalement, le délai maximum, c'est 48 heures ou 24. Il faut que tout le monde l'ait reçu. Donc, évidemment, on était dans les délais. Période d'intervention réservée aux élus. Je comprends, chers collègues, que vous ne voulez pas intervenir ce soir. On va passer immédiatement à la période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens que c'est la première fois qu'ils assistent à une assemblée municipale? Oui. Donc, c'est une nouveauté qu'on a fait quand on est entré en poste. On a prévu une période de questions avant la prise de vote du conseil municipal. Donc, si vous voulez influencer par vos questions et interventions les gens du conseil municipal, c'est le temps de le faire maintenant. Donc, on vous demande de vous présenter au lutrin. Je ne l'ai pas oublié ça, ce soir, encore une fois. Donc, on veut votre adresse, votre nom, et vous poser la question au président de l'Assemblée, qui est moi. Et ça me fera plaisir de vous répondre. Et suivant cette période de questions-là, nous, on va passer au vote sur les trois points, là, précisément, qui sont à l'ordre du jour ce soir. Et il y aura une période de questions après le vote, si jamais il y a des questions supplémentaires. Donc, pour ceux qui veulent prendre parole, je vous invite à aller devant le lutrin. Si vous voulez attendre la décision, c'est votre choix aussi. On va répondre à toutes les questions ce soir. Madame Cyr. Je te donne mon adresse. Améthyste. Non, Agrégat, excusez. 117 Agrégat. Oui. Bon, excuse-moi, j'ai beaucoup de questions. Au niveau de l'inscription versus la chute Mirabel, parce qu'on sait que Mirabel est fort dans ta liste. Mirabel, un calcul vite, là, nous qu'on a fait, OK, selon les qu'il y a sur Internet. Oui, c'est ça, mais je vais l'expliquer tantôt. Ouais, mais le calcul, c'est le calcul officiel. Il est quand même beaucoup plus haut que la chute. C'est le calcul officiel qu'on va présenter. Ce qui a été présenté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les données exactes. Bien, c'est pas grave, il est plus haut. Mais je ne le considérerai pas, Mme Cyr, parce que ce n'est pas les données officielles. Mais Mirabel, il faut qu'on paye un chandail de plus. On va vous présenter ça tout à l'heure. Oui, mais nous, là, les parents, là, on veut parler avant que vous votez. Je comprends. OK. Pas de rabais à Mirabel. À la chute, on a un rabais si j'ai un deuxième, un troisième, un quatrième enfant. Je vais prendre des questions, Mme Cyr, ça va me faire plaisir de répondre. Okay. Parce que vous pouvez faire des constatations, mais une bonne question serait est-ce que vous pensez avoir des rabais? Ben, alors, au niveau de la ville de Saint-Colomban, avant, vous donniez, je crois, environ 500 quelques dollars par enfant qui est inscrit à la chute. Et maintenant, ce que nous, on a appris, c'est que vous allez donner 75 dollars. Pourquoi? Bien, en fait, ce que vous avez appris, ce n'est pas exact. On dit des environs, là. Oui, mais ce qu'on va présenter, vous allez voir, ce n'est pas les bonnes données. Ce qu'on veut présenter ce soir, c'est un remboursement à l'inscription de 215 $. OK? Puis ça serait appliqué peu importe avec qui on signe. Donc, le 75, le conseil municipal a décidé de le revoir à un montant de 215. Et les remboursements, c'était quoi l'autre? Ah oui, le coût annuel. Bien, on le présentait. Moi, j'ai fait préparer un tableau, ce que ça coûtait réellement à la ville, une inscription par joueur avec l'ancienne entente d'Argenteuil. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la ville de Saint-Colomban payait à la MRC d'Argenteuil un montant évalué à peu près à 220 000 $ par année. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre de joueurs, par exemple, cette année,
qui était 171 joueurs, puis on a divisé par 220 000, ou c'est peut-être pas le montant exact, là, c'est, il y a des chiffres avec ça, mais je l'arrondis. Fait qu'on est arrivé à un montant où qu'est-ce que ça coûte à la ville de Saint-Colomban, puis qu'est-ce que ça coûte aux parents. Donc, il y avait un partage de factures qui était assez clairement établi, puis c'est ce qu'on va présenter avant la tenue de vote tout à l'heure. OK. Excuse-moi, tu m'avais fait perdre une autre idée que j'avais. Je m'excuse. Peut-être quelqu'un d'autre peut venir. Je vais revenir après parce que j'ai perdu mon idée. OK? Pas de problème. Bonjour, Emmanuel Lange, la rue Rachel. En fait, pourquoi est-ce que vous ne nous présentez pas les choses pour qu'on puisse poser nos questions après? Parce que là, on sait à peu près pas tous de quoi on parle, puis on peut pas se faire une idée si on sait pas de quoi on parle. Ça serait pas pire qu'on le sache. Il y a toujours une période de questions après, madame. Mais il va être trop tard, le vote va être fait. Mais tu sais, je vais vous avouer que la décision pour le conseil municipal, elle a été quand même assez facile à prendre. Oui, parce sens que vous ne nous avez pas consultés. Bien, il n'y a pas seulement le volet consultation. Tu sais, le conseil municipal, on s'est basé sur plusieurs éléments, OK? Je peux peut-être vous expliquer le processus de négociation, comment ça s'est passé. Vous allez peut-être comprendre pourquoi on décide d'aller à Mirabel. Je pense que… Pardon? Ben non, c'est sûr que, tu sais, entre nous, on a une position claire, là. Tu sais, on s'en est parlé avant, puis on le sait vers quelle direction on veut aller. Donc… On a commencé le processus de négociation. Évidemment, on était avec une entente avec Argenteuil depuis, je crois, 2011, qui avait été renouvelée sur des périodes de 3 ou 5 ans. L'entente s'est terminée, je crois, le 30 juin de cette année. Fait qu'on a commencé le processus de négociation avec la MRC d'Argenteuil pour essayer de la renouveler. Ultimement, ce qu'on a compris, c'est que la MRC d'Argenteuil voulait augmenter beaucoup les frais à la ville de Saint-Colomban. Puis, puis la position qu'ils ont pris dans la négociation, c'était assez agressif dans le sens qu'ils ne voulaient pas vraiment nous laisser beaucoup d'options. Moi, je savais depuis longtemps que mon travail, c'était de créer des possibilités puis de trouver des, tu sais, établir des communications avec la régie de Saint-Jérôme, avec la ville de Mirabel, pour essayer de voir si c'était possible de pouvoir envisager la pratique du hockey dans une autre ville. Donc, à ce titre-là, on a commencé des discussions. Mais on a toujours respecté le fait qu'étant donné qu'on avait une entente avec Argenteuil, on a commencé de négocier avec eux. Fait qu'ils sont arrivés quand même avec des positions fermées. Nous, on a fait une proposition qui était à 600 $ par joueur. Puis, ils n'ont vraiment pas aimé notre proposition. Puis, tu sais, ils nous ont dit un peu, tu sais, nous, on va calculer qu'est-ce que ça coûte à un joueur de MRC d'Argenteuil, puis vous allez payer le même prix. Fait qu'on a dit, c'est correct, tu sais, c'est leur position. On a ouvert des discussions avec Saint-Jérôme. Saint-Jérôme est arrivé avec la régie, là. La régie, c'est Sainte-Sophie, Prévost, Saint-Jérôme. Ils sont arrivés avec un prix qui tournait autour de 1800 $ par joueur, bien honnêtement. Avec Mirabel, ça fait longtemps qu'on avait des discussions. La mairie, ça a changé. On s'entend très, très bien avec le conseil municipal de Mirabel, ce qui est une nouvelle donnée là, par rapport au passé. Puis Mirabel est arrivé il y a peut-être 7-10 jours avec un prix à 550 $ par joueur. OK, frais d'inscription, plus les frais d'inscription. Puis on sait que les frais d'inscription sont moins chers, sont 240 par joueur, sauf la catégorie junior, si je me rappelle bien. Puis la catégorie plus jeune, qui est à 155, les frais d'inscription. Fait qu'ils nous ont proposé de signer un peu le même protocole d'entente que Saint-Hippolyte avait, donc qui fixait ces prix-là. Suivant ça, on soupçonne que l'information de l'offre de Mirabel est venue aux oreilles d'Argenteuil. Puis là, ils nous ont recontacté pour nous proposer 650 $. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils lorgnaient un peu un prix à 1500 $ par joueur. Ils voulaient nous faire payer plus que la moitié de ce que toutes les autres villes de la MRC paient, alors qu'on n'est pas propriétaire de l'aréna. Puis, nous, la position qu'on avait dans le processus de négociation, c'était de dire, tu sais, nous, là, on veut payer des ondes de glace pour nos jeunes. On ne veut pas payer pour autre chose. On veut que nos jeunes aient accès aux arénas. Puis ça représente une proportion qu'on avait fixée autour de 600 $. Là, je vous dis 600 $, 1500. Là, il y a eu des offres, contre-offres, puis tout ça. Puis ultimement, quand ils sont arrivés avec l'offre de 650, c'est parce qu'ils savaient que Mirabel avait fait une offre à 550. Fait que, tu sais, nous, là, on a à respecter le partenaire qui a voulu discuter sérieusement avec nous puis qui nous offre un prix qui est moins cher pour la ville de Saint-Colomban. On fait des grosses, grosses économies avec ce qu'on vous propose ce soir. J'ai une question. Oui. Est-ce que la ville de l'association de Boisbriand-Sainte-Thérèse a été envisagée? Oui. On les a contactés, je crois que c'est votre idée, puis on nous a expliqué que dans les perspectives de règlement de Hockey Québec, il fallait d'abord évaluer les possibilités de s'entendre avec les villes frontalières
avant d'envisager sauter un territoire avec des infrastructures. Fait qu'elle se dans le cas que les parents ne voudraient pas aller à Mirabel parce qu'on s'entend qu'ils ont un très grand bassin d'enfants, là, fait que ça va être dégueulasse, les heures de glace puis le nombre d'équipes. Ça c'est un... Est-ce que là, si nous, les citoyens, on n'est pas d'accord d'aller à Mirabel, est-ce que vous pourriez envisager d'aller avec Boisbriand-Sainte-Thérèse? Non. On ne le permet pas dans les règlements de Hockey Québec. Puis c'est Boisbriand, en fait, qui a fermé les discussions en se fiant sur le règlement de Hockey Québec. Là, ça s'est fait de manière courtoise. Là, on s'est parlé, on a discuté. On a dit on peut pas envisager ça. Ça ne correspond pas au règlement de Hockey Québec. Puis qu'est-ce que vous avez l'intention de faire si la majorité de vos citoyens ne sont pas d'accord avec votre décision d'aller avec Mélanie? Bien, le choix d'inscrire son enfant à une activité sportive est quand même un choix personnel, Mme Hines. Nous, on a travaillé à vous offrir une offre d'activité qui vous permette de faire du hockey dans des meilleures infrastructures, dans une association qui est, à mon avis, mieux structurée, qui est soutenue davantage par la Ville que par la MRC d'Argenteuil. Ça, c'est tout des faits. Moi, je ne crédite pas prix, ça. Je ne suis pas une pro La Chute ni une pro Mirabel. On arrive à un prix qui est beaucoup plus compétitif pour tout le monde. La saison commence un mois plus tôt. Vous le savez, on en a eu des plaintes. C'est plus le bassin de jeunes, moi, qui me préoccupe à Mirabel que d'autres choses. Là. Mais en même temps, ça va peut-être permettre de classer les gens dans un meilleur calibre. T'sais, les jeunes, là, ils vont peut-être être mieux classés. Moi, c'est des choses que j'ai entendues au cours du processus de négociation. Okay. J'ai une autre question qui n'est pas tout à fait rapport, ben, ça a rapport avec le hockey, là, mais par rapport au hockey féminin, j'ai vu votre règlement, dans le fond, ça dit que vous voulez revoir les frais d'inscription. Est-ce que vous avez encore l'intention de rembourser ce que ça coûte versus féminin et masculin, ou c'est quoi que ça va changer? Moi, je me rappelle pas qu'est-ce qui était en place pour le hockey féminin. Pour le hockey féminin, on vous avait approché pour que la Ville fasse partie du protocole, vous n'aviez pas voulu. Ouais. Puis vous avez ce qui est en place, c'est si, mettons, ça coûte, exemple... 1 000 au hockey féminin, mais que si j'inscrivais ma fille au masculin, ça coûtait 700 $. On payait la différence. Vous payez la différence. C'est encore ça. Ça va être encore ça. Ça change pas. OK. Sauf qu'on s'entend que si ça coûte 1 000 à Mirabel, il n'y en aura plus de différence entre le hockey féminin et le hockey masculin. Ça peut vouloir dire ça, mais c'est pas ça qui va arriver. Ça va coûter comme vraiment cher faire jouer nos enfants au hockey. Là. Mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Vous prendrez connaissance des chiffres tantôt, puis vous ferez votre calcul, puis si vous avez une autre question, vous reviendrez à la fin. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh! Est-ce que j'ai retrouvé ma question? Parce que j'ai parlé avec un conseiller de Mirabel, très proche de nous, et il m'a confirmé que Mirabel n'a pas la possibilité de tout accepter nos joueurs de Saint-Colomban. Je comprends, mais ils ne nous auraient pas fait de place. Bien, là, cette année, ils vont peut-être te laisser la place pour les 150 100 joueurs, mais l'année prochaine, c'est quoi? Parce que présentement, toutes les rumeurs, c'est un an. Seulement un an. C'est pas un an, c'est une entente indéterminée qui est renouvelable à chaque année. C'est la même chose à Saint-Hippolyte. Mettons cette année, ils acceptent nos 100... Mettons, on dit un chiffre, 150 joueurs. L'année prochaine, qui nous dit qu'ils vont accepter plus que 150 joueurs? Et qui dit que nos joueurs qui sont là vont avoir la même... sur le piédestal de Mirabel? Moi, je fais confiance au travail que la Ville de Mirabel a fait. Ils ont évalué si c'était possible d'intégrer 171 joueurs. J'espère qu'ils ont pris des projections de croissance d'inscription pour évaluer ça sur une période à long terme. Ceci dit, l'entente, là, elle est renouvelable annuellement, ce qui était le cas avec Saint-Hippolyte depuis 3-4 ans. Là. Ça, c'est pas remis en question. C'est la façon dont le protocole il est fait. Puis l'entente entre la Ville de Mirabel, il n'est pas fait entre la Ville de Mirabel et la Ville de Saint-Colomban. Elle est faite avec la Ville de Mirabel et l'Association de hockey mineur Mirabel. Donc, ce que Mirabel fait, c'est qu'ils viennent ajouter un article dans leur entente stipulant qu'ils accueillent les gens de Saint-Colomban et qu'ils appliquent les mêmes critères que la municipalité de Saint-Hippolyte. C'est parce que nous, à La Chute, là, en tout cas, mon niveau, là, les niveaux de mes enfants, il y a un goaler, il y a 9 joueurs. OK? Excuse, 8 joueurs, un goaler. À Mirabel, c'est 2 goalers, c'est 15 joueurs. Moi, ce que je comprends. C'est beaucoup plus. Là. Les enfants, là, ils ne pourront pas jouer. Moi, j'ai 2 goalers là, présentement là, dans ma famille. Là. Déjà, c'est mon choix personnel que mes enfants soient goalers, là. C'est mon choix personnel que je les inscris au hockey, mais à 1 000 $ par enfant, aucun rabais. Ça, encore une fois, je vais vous prendre le temps de prendre connaissance de ce qu'on va offrir. Ça fait combien de fois qu'on se parle? Prenez le temps de prendre connaissance de ce qu'on va offrir. Sur plein de choses, là. Laissez-moi présenter ce que ça va coûter. Bonjour. Bonjour. Jason Paquette. Enchanté. Rue John Ryan, Saint-Colomban.
Je vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont déplacés pour parler de la chute. Moi, je vais vous parler de mon expérience de la chute. Dans notre équipe, cette année, on avait 15 joueurs, madame. Vous nous avez entendu? Donc, vous avez entendu notre histoire. On n'a eu pas une année facile, puis j'étais entraîneur adjoint à la chute, je peux vous le dire, là. Ça n'a pas été facile. On a dû gérer des enfants qui pleurent puis qui ont de la difficulté à avoir du plaisir. Pour être quelqu'un qui demeurait avant Mirabelle, j'ai vécu la différence entre les deux. Fait que je peux parler de Mirabelle. Je comprends l'effet du changement, ça fait peur à tout le monde. Mais personnellement, moi, je vais vous dire que si jamais il y a un choix à faire, je ne suis pas gêné de vous dire que Mirabelle est un meilleur choix en qualité d'association. Puis ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, moi, je vous le dis, je l'ai vécu. Il y a eu certaines démissions à la chute dernièrement aussi, ce que j'ai entendu. Il y a des raisons qui mènent à ça. Puis je pense que pour le bien de nos enfants, je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire « mes enfants, leurs amis, leurs équipes ». En connaissance de cause, j'ai joué dans 3 associations de hockey différentes quand j'étais jeune. J'ai encore en vie aujourd'hui. Je me suis fait plein d'amis. J'ai changé d'équipe, je me suis fait des nouveaux amis. Je sais que ça peut être plate pour des amis qui veulent garder leurs amis. Ça, je le comprends. Mais à un moment donné, la vie continue. Puis je pense que... Ben, ça, oui, c'est une période de questions, mais je voulais juste appuyer le fait que, moi, de mon côté, il y avait 15 enfants dans mon équipe cette année. Okay? Non, mais c'est une période de questions ou commentaires. Il n'y a pas de... Donc, OK? Donc... Non. Pardon? Je comprends. Les choses ont changé. Monsieur Paquette, juste adressez votre commentaire. Donc je m'adresse aussi à vous. Donc, dans ce sens-là, moi, je comprends la réaction des gens, mais il y a aussi deux côtés de médaille. Puis j'ai vu aussi des commentaires passer sur Facebook. Puis j'ai assisté aux dernières séances du conseil municipal pour venir exprimer mon point de vue. Malheureusement, il y a des gens qui ne se sont pas présentés quand c'était le moment. Puis aujourd'hui, bien, il arrive ce qui arrive. Je n'étais pas contre l'idée de retourner à la chute, loin de là. J'avais l'intention de m'impliquer aussi. Puis je vais m'impliquer si c'est à Mirabelle ou si c'est à la chute. J'ai aucun problème avec ça. Puis je l'ai dit que je le ferais parce qu'il y a des choses qui, à mon avis, devaient changer. Fait que voici, je voulais juste vous donner mon opinion, moi, par rapport à ce qu'on vit ici parce que je comprends la frustration des gens. Mais en même temps, on parle d'infrastructure. Si Brownsburg-Chatham ferme, on ne sera pas plus avancé au moment où on se parle. Merci, M. Paquette. OK, merci. Bonjour, Mélanie Fredette, 595 Montéphilion. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont des enfants qui jouent au hockey? C'est votre choix personnel? Est-ce que vous avez des enfants qui jouent au hockey? Parfait. Vous, madame? Parfait. Vous, monsieur le maire? J'ai 2 filles qui ne jouent pas au hockey. Les filles peuvent jouer au hockey? Mais elles ne jouent pas au hockey. C'est un choix personnel. Elles ont fait le choix de pratiquer un autre sport. Vous, madame? Moi, j'ai eu 2 enfants qui ne jouent pas au hockey. Par contre, mes enfants, dans le sport que j'ai décidé de les inscrire, je n'ai pas de remboursement de la ville. C'est un choix personnel. Oui, je comprends. Ma question, c'est pas combien ça vous coûte. C'est avez-vous des enfants qui jouent au hockey? Oui, je comprends. Sauf que la décision en tant que telle, qu'on ait des enfants ou pas qui jouent au hockey, on est capable de faire la part des choses. Puis de prendre une décision aussi qui représente toutes les parties. Donc, vous, madame, en avez-vous? Nous sommes une famille de golf à la maison. Parfait. Voilà. Merci. Alors, j'ai 2 enfants également. Je ne sais pas pourquoi je réponds à cette question-là. Personnellement, je la trouve un peu délicate. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que chacun des membres du conseil a des enfants qui pratiquent un sport, par contre. On n'a peut-être pas fait le choix du hockey, mais on est des parents de sportifs également. Des enfants qui jouaient au hockey pour la chute. Vous avez eu la réponse. Maintenant. Bon, merci beaucoup. Maintenant, êtes-vous au courant du ratio enfants versus inscription? Parce que ça existe. Donc, s'il y a trop d'enfants... Pour une équipe, les meilleurs sont choisis, les autres retournent à la maison. Mais dans l'entente... Comme madame dit, pour les gardiens de but, c'est très compliqué. Ça, c'est ma première question dans la question. Deuxièmement, le joueur qui doit aller jouer ailleurs, allez-vous payer la partie de l'inscription dans une autre ville? Bonne question. 2 questions. Premièrement, dans l'entente qui nous lie avec Mirabelle, Mirabelle garantit 1 heure de temps de glace par 10 joueurs d'inscription.
OK? Ça, c'est l'entente qu'on a été capable d'avoir avec Mirabel. Maintenant, le ratio, on comprend que, évidemment, ça va changer en fonction des catégories puis des nombres d'inscriptions. Puis, je sais que dans n'importe quelle association de hockey mineur, il va y avoir des équipes qui vont être à 10, à 12, à 15. Ça, ça va en fonction des inscriptions. Je ne pense pas que ça soit différent d'une association à l'autre. OK? Deuxièmement, si vous décidez de choisir de jouer à la chute, par exemple, moi, je vous invite à négocier avec la MRC d'Argenteuil un tarif non résident qui est compétitif. Ce que j'ai entamé comme discussion dans la perspective où on ferait face à des gens qui veulent continuer à jouer à l'association de hockey mineur La Chute. Mais vous devez comprendre que ce sont des positions qui demeurent des choix individuels. Moi, je vais faire le plus possible. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais ultimement, on dépend de la réponse de la MRC d'Argenteuil. Ce qu'on sait dernièrement, c'est qu'ils ont changé leurs frais de non-résident à 1 500. Ce qui n'est pas, à mon avis, une décision bénéfique à long terme pour leur propre association. Parce que moi, je comprendrais des gens ici qui désirent continuer à jouer à la chute, mais là, ça devient un choix personnel. Donc, la Ville, elle ne s'engagerait pas à rembourser ou à payer l'inscription pour des gens qui décident de jouer à la chute. J'ai essayé d'avoir une entente avec la MRC d'Argenteuil pour répondre à ce type de besoin-là. Puis ils ne sont pas intéressés. C'est comme si on nous disait, on prend toute la tarte, puis s'il y a quelques portions, ça ne nous intéresse pas. Okay, je trouve ça dommage. Comme un joueur qui obtient son release a le droit d'aller jouer ailleurs où ouais. Il le désire, vous ben m'avez dit que vous engagez à payer la différence. Donc, si on choisit la chute, ça ne s'appliquera pas. C'est non. Ce que je comprends. Exact. Pourquoi? Ben parce que nous, on a signé une entente avec la Ville de Mirabel. Si vous décidez de jouer ailleurs... Non, ma question, c'est pas ça. C'est si vous exemple, mon jeune obtient son release. De Mirabel, il ne peut pas jouer là. Il a le droit de choisir où est-ce qu'il veut aller. Il va à la chute. Vous payez la différence? Vous m'aviez dit oui tantôt. Là, ça devient non. Je n'ai pas vraiment dit ça. Je vous ai demandé, si le jeune ne peut pas jouer à Mirabel, allez-vous payer la différence s'il que l'autre ville... S'il ne peut pas ou s'il oui? ne veut pas. Ben, il ne peut pas. Pourquoi il ne pourrait pas? À cause... Mais du ça, ratio joueur? Non, mais non, ça, c'est pas un critère de sélection. Oui, et non. La ville choisit son résident avant le non-résident. Mais moi, c'est pas ce qui est inscrit dans l'entente, là. C'est ça. C'est ça, vous n'avez pas d'entente, alors vous comprenez. Non, mais là, on a une entente qui est signée avec la Ville de Mirabel. Le jour où ça arrive, on entamera une autre discussion. Là, on est dans des scénarios hypothétiques pour lesquels je ne peux absolument pas répondre. Est-ce que aujourd'hui. Le point va être amené dans l'entente? Signé avec est-ce que le point va être amené dans l'entente? Bien, il y a un peu déjà là. Parce que ça arrive. Non, mais la vous mission, c'est de faire la place courant. À toutes les inscriptions des gens qui viennent de Saint-Colomban. Là. C'est ça qui a été donné comme processus. Mais les inscriptions, ils sont tous acceptés en début de saison, sauf que quand il y a un trop gros ratio de joueurs, le joueur ne peut pas jouer. Bien, il est remboursé. Vous parlez probablement d'un processus qui s'est passé alors que Saint-Colomban n'avait pas d'entente avec la Ville de Mirabel. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Oui, mais là, on a une entente qui garantit la place des joueurs de Saint-Colomban à Mirabel. Vous avez passé des résidents de Mirabel qui ont été retournés chez eux. Vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas une question d'être au courant. Nous, notre mandat, c'est de négocier une entente avec le hockey. On a la garantie que la Ville de Mirabel nous fait la place. Non, il y a un détail que vous ne comprenez pas. Exemple, cette année, mon fils, il est supposé jouer à la chute. On est à Saint-Colomban. On a dû demander un release pour aller jouer à Boisbriand parce qu'il y avait trop de goalers dans sa catégorie. Ils ne pouvaient pas le prendre. Ils sont déjà deux goalers par équipe. Vous avez payé équipe. Votre inscription où, Mme Hines? À Boisbriand. J'ai pas eu le choix parce que la chute ne pouvait pas me le prendre, mon fils. Il y avait trop de goalers. À Mirabel, ça va se reproduire. Je comprends. Comment l'association de hockey a géré ce dossier-là? Ils m'ont donné mon release. Il a fallu que je demande un release. Puis ils m'ont dit, on vous prête à une autre ville parce qu'on ne peut pas le prendre parce qu'il y a puis trop de gardiens. Puis les frais d'inscription, ça a été à combien? De Boisbriand? Non, mais combien vous avez payé? Je les ai payés à Boisbriand, j'ai payé 150. Bon, fait que c'était une bonne affaire. Mais je n'ai pas ça le point. Okay. Mais tant mieux. Le point, ce que je vous dis, c'est qu'à Mirabel, va falloir se rebattre à chaque fois. On gérera les cas par cas, en cas par cas. Vous comprenez pas ce que ça implique dans les vies familiales, le cas par cas du cas par cas. Puis en plus, avec votre entente, ça va être à refaire à chaque année, ce débat-là. C'est n'importe pas quoi. Pas vraiment. C'est renouvelable à moins... d'une intention de ne pas renouveler d'une des parties. Oui, mais est-ce qu'ils ont évalué la démographie qui augmente de nos deux villes? J'espère. Est-ce que vous êtes informé? Les employés puis les services, là, c'est le genre de travail qu'il faut qu'ils fassent, madame. Est-ce que vous êtes informé?
Bien, on a donné le mandat à la Ville de Mirabel d'évaluer ça. Bien, leur avez-vous demandé leur rapport? Leur avez-vous demandé les chiffres? Mais quand on a demandé à la Ville de Mirabel, est-ce que c'est possible d'évaluer la possibilité d'intégrer les joueurs de Saint-Colombin? Ils nous ont dit oui. Est-ce que vous leur avez demandé sur combien d'années c'était possible? On n'a pas besoin de demander ça. Bien oui, on a besoin de le demander. Moi, là, j'ai bâti une relation de confiance avec mes collègues de Mirabel. Bien, visiblement, on n'a pas la même confiance avec vos collègues. On a besoin d'être assurés. On sait que Saint-Colombin, les jeunes, elles augmentent. Mirabel, les jeunes augmentent. Les inscriptions d'hockey. Mais dans une perspective beaucoup. Où il n'y a pas de place, là, ce que j'entends, là, c'est que vous avez été muté à Boisbriand, puis ça vous a coûté moins cher. Oui, puis là, ça, là, c'est quoi le trouble que c'est d'être muté ailleurs? C'est du trouble d'être muté ailleurs. Puis ça ne veut même pas dire que la ville va t'autoriser Madame d'y aller. Vous étiez prête à nous proposer le scénario de signer avec Boisbriand. Oui, parce que c'est un bon scénario. Je veux bien faire preuve de bonne foi, là. Mais là, dites pas que c'est un scénario catastrophe quand c'était votre propre idée de signer avec Boisbriand. Oui, signer avec Boisbriand, c'est une super bonne idée. Parfait. Ça reste un très bon scénario. Visiblement, c'est pas possible. Moi, Boisbriand, c'est l'idéal. Ils ont pas de bassin de jeunes, puis ils ont des arénas. C'est pas notre décision. C'est la décision de Boisbriand de ne pas aller jouer là. D'accord, mais ce que je vous dis, c'est que ce que moi j'ai vécu à la chute cette année, il y a plein de parents qui vont le vivre à Mirabel parce qu'ils ont trop de jeunes déjà à Mirabel. Il y a des goleurs à n'en plus finir à Mirabel. Ça va être le chaos total, puis se retrouver une équipe quand on est une ville au complet, essayer de se retrouver dans une équipe, là, ça se fait pas de même. Vous êtes pas conscient parce que vous avez pas d'enfants dans le milieu du hockey. Fait que vous le savez pas c'est quoi notre réalité. D'accord. Si vous me permettez de prendre parole sur ce dernier point, j'aimerais préciser que peut-être effectivement, on est tous des parents, on n'a peut-être pas joué au hockey, on n'a peut-être pas d'enfants qui ont joué au hockey. Cependant, on s'est quand même entouré de personnes qui connaissent le domaine. Dans l'organisation, il y a des gens qui jouent au hockey. J'ai recueilli beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens autour, des citoyens qui nous ont appuyés dans la décision. Donc, l'argument qu'on ne joue pas au hockey ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'informer et d'avoir l'information. Mylène Frédette, 595 Montefilion. Je voulais savoir, j'avais oublié une question, dans le budget qui nous est pas présenté, à savoir les tarifs, la chute versus Mirabel, est-ce que Mirabel vous inclut les tournois payés pour les deux? Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, j'ai dit non. Ben, j'ai hoché de la tête. Mais on regardait pas. Donc, la réponse est non. Oui, je me demandais, c'est que... Juste nommez votre nom, s'il vous plaît, votre rue. Ah, oui, 120 rue de Ris, Saint-Colomban, François-Xavier. Merci. Plaisir. Je me demandais pourquoi, dans le fond, on ne pouvait pas aller vers la chute. C'est une question assez large, monsieur Xavier. J'ai expliqué un petit peu plus tôt qu'on a entamé un processus de négociation avec Argenteuil. Ouais. Faut dire aussi que dans l'année précédente de la COVID, là, on nous a fermé accès à l'aréna. Donc, tu sais, il y a eu une dégradation quand même de la relation entre la MRC d'Argenteuil et la Ville de Saint-Colombin sur le dossier des arénas. Juste un instant, est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Donc, on a entamé des négociations, puis on s'est fait proposer un prix qui n'était vraiment pas intéressant à la lecture de notre compréhension d'utilisation des glaces à Brownsburg, puis à la chute. Okay. On sait aussi que dans les ententes précédentes, là, il y avait eu beaucoup de discussions sur la possibilité de refaire la glace à Brownsburg, de rénover la glace. Puis, dans le passé, il y avait eu l'idée de mettre sur pied un comité pour s'assurer de l'avenir des infrastructures dans la MRC d'Argenteuil pour jouer au hockey. Chose qui ne s'est pas vraiment réalisée. Il y avait un projet à l'époque aussi avec l'école de la polyvalente Lavigne pour faire une nouvelle glace. Ce projet-là est tombé à l'eau. Donc, ils ont pris beaucoup de décisions sans nécessairement nous consulter, alors qu'on payait plus de la moitié des frais de gestion des arénas. Fait qu'on avait quand même un poids important financièrement qu'on assumait pour rendre possible la pratique de sport de glace à la MRC d'Argenteuil. Fait que dans une perspective où il y a des décisions qui se prennent puis le plus gros payeur n'est jamais consulté, ça aide pas à avoir une très bonne relation. Okay. Ceci dit, on était prêt à signer une entente dans la perspective où le prix était juste, puis ça avait été la meilleure proposition qu'on avait reçue sur la table. Okay? Fait qu'on a négocié, on a reçu un prix, comme j'ai expliqué plus tôt, là, qui était très élevé, là, 1500 par joueur. Là. Mirabel est arrivé à 550 par joueur. Là. C'est majeur comme différence. La seule raison pourquoi on croit que la MRC d'Argenteuil est revenue avec une offre, c'est parce qu'elle a pris connaissance de l'offre de Mirabel. Parce que s'il n'y avait pas eu d'offre de Mirabel, je ne suis pas convaincu qu'on serait
à exposer les scénarios qu'Argenteuil a présentés puis que Mirabel a présentés. OK. Puis, une autre question? Je peux peut-être ajouter, je m'excuse, j'aurais pu enchaîner tout de suite. Dans la décision que le Conseil prend là, ce soir, là, je l'ai dit un petit peu plus tôt, on évalue la qualité des infrastructures. On évalue la distance, c'est important. Okay. Ouais. On évalue la qualité aussi de l'association. On évalue la qualité et le potentiel de partenariat avec la ville d'à côté. Puis aussi, bien sûr, on évalue la charge financière qu'on nous propose comme entente. Okay. Fait que c'est un ensemble de ces critères-là. Ça se peut qu'Argenteuil ait un de ces critères-là qui favorise un des cinq. Mais quand on fait le cumul là, de ce qu'on nous propose entre Argenteuil et Mirabel, ce qui va vous être présenté, là, nous, on pense que c'est Mirabel qui offre la meilleure proposition. OK. Puis, mon autre question, c'est que moi, je suis un joueur de la chute. Oui. Je suis gardien, puis je suis midget deuxième année. Ouais. Savez-vous un peu c'est quoi? Oui. Ouais. OK, parfait. Puis, c'est votre dernière année à l'ingénieur? Non. Il y a une troisième année aussi. OK. Okay. Puis, je suis là depuis Mac deuxième année. Ça, ouais. c'est jeune quand même. Puis, depuis ces années-là, oui, je ne sais pas trop qui a dit ce point-là, mais c'est vrai que, tu sais, c'est pas facile les saisons, mais même à ça, ça fait longtemps qu'on est en lien avec les personnes de la chute, mm-hmm. puis on a du fun malgré ça, les tournois puis tout mm-hmm. ça. Fait que je comprends pas pourquoi il faudrait casser ce lien-là, puis recommencer à zéro avec une autre ville, mm-hmm. sans amis, en connaissant personne, mm-hmm. Puis en ayant encore moins de fun, parce qu'on gagne, je suis gardien, je vous l'ai dit, on reçoit 3 shots par game à Mirabel. Fait que, quel est le fun? Je comprends pas vraiment. Bien, comme je l'ai dit précédemment, il y a deux choses là-dedans auxquelles j'aimerais répondre. Okay? On est conscient qu'il y a des gens qui voudraient terminer justement leur parcours. Ouais. Ça fait quoi, peut-être 10 ans que vous jouez avec les Stars? Ça, si je fais le calcul ça. Rapide. Ouais. Là. Fait, on peut comprendre que vous aimeriez finir le parcours. Là. C'est pour ça que nous, là, on en appelle un peu à la collaboration avec la MRC d'Argenteuil pour s'assurer qu'ils baissent leurs tarifs non-résidents et qu'ils vous permettent de finir votre parcours. Bien là, je parle d'inscription, coût d'inscription non-résident. Fait que, tu sais, là, actuellement, ils ont fixé leur tarif non-résident à 1500 $, mais tu sais, je pense que ça serait un beau geste pour vous, là, de leur part, si vous permettez d'accéder à une tarification non-résident qui est plus abordable que ce qu'ils proposent actuellement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Je viens de Saint-Colomban. Ouais. OK? Moi, j'ai vécu des déménagements dans mon même cycle là, junior, là. Tu sais, Pee-wee, Bantam, junior. Je suis passé de Saint-Colomban à Mirabel à la chute en 3 ans. Puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on devenait de plus en plus fort. OK. T'sais, fait que je comprends qu'il y a des désavantages, mais il peut aussi y avoir des avantages. Puis ça nous permet de se faire des meilleurs, tu sais, d'autres amis ailleurs, d'élargir le réseau. Puis je pense que c'est fondamental dans la vie d'un sportif là, d'être capable de s'adapter à des nouveaux coéquipiers, des nouvelles équipes. Parce que ça améliore les apprentissages qu'on est capable de faire. T'sais, si vous êtes dans une structure depuis 10 ans qui vous apprend quelque chose, c'est pas pour rien que tous les sportifs finissent par changer de coach, là, que ce soit des sportifs individuels ou des sports d'équipe. Je veux juste ajouter quelque chose, parce que je ne veux pas oublier ça. Je l'ai déjà oublié, ça tombe bien. Vous pouvez continuer. Non, mais ce que je disais, c'est que oui, il y a des avantages à rester longtemps dans une organisation, mais il y a aussi des avantages à changer. T'sais, c'est des meilleurs coachs. Je sais que l'accompagnement au niveau des entraîneurs, des assistants, des entraîneurs. Je pense que la structure de l'association de hockey mineur Mirabel, elle est solide. Elle est plus solide. OK. Puis, ça, c'est pas à nous à statuer, malheureusement, de okay, ça. Mais vous dites que c'est important de s'habituer au changement, tout ça, avec les équipes, changer de ville, comme vous dites. Mais le hockey, tu sais, c'est un sport d'équipe. Si on est d'accord? Ouais. Mm-hmm. OK. Fait que pourquoi changer ça? Tu sais, c'est un sport d'équipe. L'équipe, c'est un groupe. Tu sais, vous comprenez? Ouais. OK, c'est bon. Mais c'est ça. C'est pourquoi changer tout ça? Bien, tu sais, ultimement, vous auriez quand même le choix de demander un release. Là. Ouais, mais même si on demande un release, les personnes de Saint-Colomban qui étaient avec nous, on va pas tout demander, tout le monde de Saint-Colomban demander un release. Tu sais, ça reviendrait au même. Je pense pas que Mirabel se mette dans le chemin d'un joueur qui veut demander un release pour jouer à la chute. Ok, c'est bon.
Bonjour, mon nom c'est Thomas John Chaprin, 112 Grande Allée. Juste pour être clair, c'est sûr que la décision ici qui va être faite, ça va plaire, ça va déplaire à tout le monde. C'est sûr, c'est pas le fun, c'est une décision qui va arriver dans la vie, puis le jeune va vouloir vivre avec. Mais moi, ma question c'est, oui, on veut réduire les coûts, puis il y a des buts dans la ville, puis t'sais, on est une petite ville, je peux comprendre les décisions qui vont être faites. Mais qu'est-ce qu'on peut, là tu sais, il y a toujours une solution à un problème, mais il peut y avoir plusieurs solutions. Là, je comprends que là, la ville d'Argenteuil veut que ça soit 1 500 $ ou le chiffre, whatever, qui est au-dessus de 1 000 $. Tarif non résident actuellement. OK, c'est ça. Ouais. Fait que là, ce serait quoi les sacrifices que la ville devrait faire pour que les jeunes puissent aller jouer à la chute? Parce que je peux te le garantir, je pense sur 161 jeunes, je pense qu'il y a 150 qui vont vraiment être déçus de jouer à Mirabel s'ils sont poignés dedans. Fait que c'est quoi que les sacrifices que le Saint-Colombard doit faire pour payer le 1000 whatever. Je comprends pas la question. Ce qu'on vous propose, ça va coûter moins cher jouer à Mirabel. C'est pas que je vais coûter moins cher. Mais je comprends pas. Il y a le fait qu'on est en équipe, puis je peux te le garantir, là, dans les chambres d'hockey, entre Mirabel et Blachette, ils vont se battre. Je peux te le garantir. Ouais, mais... Tout le monde va se battre. C'est pas votre problème, c'est notre problème, c'est nous autres, être comme ça, à se gérer. Monsieur Chopron, j'étais plus jeune à l'époque, puis des rivalités entre Mirabel et Blachette, là, je les ai connues dans un sport. Mm-hmm. Puis l'année d'après, il a fallu qu'on joue ensemble. Ça a été la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Je peux te garantir. OK. Tu sais, il y a une compétitivité naturelle qui se crée quand deux équipes jouent une contre l'autre. Mais quand on s'allie aussi, il y a quelque chose de bien qui peut sortir de ça. Puis ça, c'est le job des joueurs et des entraîneurs de créer une chimie. C'est la base de la vie. Ça, je peux comprendre. Puis je suis d'accord avec vous pour ce point-là. Mais ma question, en gros, c'est est-ce que la ville, si on veut jouer à la chute, puis tout le monde est vraiment d'accord, puis je pense que tout le monde est d'accord. Tu sais, lever la main qui veut jouer à la chute, là? Bon, mais c'est ça. Fait que... Est-ce qu'on doit augmenter les taxes de la ville? Est-ce qu'on doit réduire nos coûts dans quelque part d'autre pour les jeunes puissent jouer à la chute? Je peux comprendre, c'est juste moins cher pour nous autres. Mais c'est moins cher pour vous autres. Fait, est-ce que vous êtes capable de juste jouer avec quelque chose? Je sais que c'est difficile, on est une petite ville, fait qu'on n'a pas le meilleur des budgets. C'est avoir nos routes, là. Mais sérieux, si on est capable de couper dans 2-3 trucs, là, je suis désolé, j'ai été chien, là. Mais si on est capable de couper dans 2-3 trucs, ou OK, c'est chiant d'avoir des taxes, d'avoir des plus grosses taxes, mais si on est capable d'avoir nos jeunes là-dedans, c'est une possibilité? Bien, moi, je pense que la possibilité que vous avez, c'est de vous réunir, puis de faire pression sur la MRC d'Argenteuil, puis leur démontrer que vous voulez jouer, puis de demander un release. Là, tu es en train de donner la job à quelqu'un d'autre quand je te donne la job. Non, mais nous, notre travail, là, c'est de réaliser la meilleure entente en fonction des critères qu'on avait. Okay. Puis ce qu'on vous propose, on croit que c'est la meilleure entente. Si ça ne fait pas votre affaire individuellement, il n'y a jamais personne. La ville ne vous empêchera pas de faire votre choix individuel et de faire des démarches avec la MRC d'Argenteuil si vous voulez continuer à jouer à la chute. Il n'y aura jamais de bâton dans les roues pour ça. Là. Je comprends. C'est bon. Merci. Deux questions. Tantôt, tu as dit, ce que vous avez dit que Mirabel vous garantit 10 joueurs. Par équipe. Non, c'est dans l'entente, il y a 10 joueurs par heure de glace. Oui, 10 joueurs par heure de glace. Est-ce que vous savez combien de joueurs qu'il y a par niveau novice, juste novice? Non. Il y a 4 équipes de 10 joueurs. OK. On fait quoi? Il y a 10 joueurs dans le novice. Là, le MAG 2, il monte, le novice, mm-hmm. Tu sais. On fait quoi? Il y en a la moitié qui pourront pas jouer? Tu sais, ça, c'est des questions qui méritent d'être posées à l'Association de hockey mineur de Mirabel, pas au conseil municipal de la ville de Saint-Colombin. Tu sais, moi, quand tu me dis Les garanties qu'on a dans l'entente, Mme C, là, c'est qu'il y a une heure de glace par 10 joueurs. C'est ça qu'ils sont capables de garantir. Mais 10 joueurs de Mirabel, 10 joueurs de Saint-Colombin. Non, dans l'entente. Oui, mais c'est ça. Que ça unisse Saint-Hippolyte, Saint-Colombin ou Mirabel, par 10 joueurs, la ville s'engage à garantir une heure de glace par semaine pour ces 10 joueurs-là. Pour les 10 joueurs de Saint-Colombin ou des trois villes? C'est les équipes, là, ils vont être renouvelées, là. Oui, mais... C'est l'entente. C'est l'entente, là, je le répète, elle est faite avec l'Association de hockey mineur Mirabel. L'Association de hockey mineur Mirabel va regrouper les joueurs de Saint-Hippolyte, Saint-Colomban et Mirabel. Puis à chaque niveau, ils ont droit juste à 10 joueurs? C'est une heure de glace par 10 joueurs. S'ils sont 15, c'est une heure et demie d'heure de glace
OK. Et c'est un ratio. OK. Ça peut être une heure et demie d'heure de glace. S'ils sont 15, oui. Okay. C'est comme si c'est un ratio là, qui est bâti dans l'entente. Marie-Claude Garand, rue du Champ-Fleury. Je vous entends depuis tantôt dire on pense que c'est la meilleure décision, on pense que. Mais j'ai-tu manqué un sondage? Parce que dire par là, est-ce qu'il y a eu une consultation auprès des parents, auprès des joueurs, auprès de 171 petits stars et grands stars, incluant les parents qui passent leur fin de semaine en aréna? Je sais que vos enfants font du sport aussi. J'en ai trois. J'en ai deux qui jouaient au hockey. Maintenant, j'en ai juste un, mais on ne fait que ça. C'est une religion pour lui, pour nous. Puis là, de me faire dire c'est la meilleure solution, je trouve ça un petit peu plate parce que, de ce que je comprends, il y a à peu près 50 à 100 $ de différence. Plus les tournois ne sont pas payés, ce qui coûte extrêmement cher parce que en plus, bien, c'est un choix personnel, je comprends. Plus le chandail qui n'est pas... inclus dans les frais. Donc, moi, me faire dire que c'est la meilleure solution, je trouve ça difficile à accepter. Moi, il est là depuis qu'il y a 5 ans, il y a maintenant 12 ans, puis je suis vraiment déçue. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis lui aussi. Je pense qu'on aurait dû être consulté. Ben, moi, ce que j'ai vu, est-ce que je peux me permettre de... Tu sais, évidemment, je dirais... ça fait des années là, qu'on entend des gens se plaindre, ou pas, OK? Sur l'association de hockey mineur La Chute, OK? L'ouverture, comme j'ai dit, de la glace à Brownsburg 45 jours plus tard. Tu sais, tout ça, là, c'est des interventions que nous, on finit par prendre en compte, OK? C'est une des choses. Quand ils ont décidé de nous fermer l'accès à la glace puis nous facturer quand même la facture pendant un an, ça aide pas nécessairement à penser qu'on... on a un bon partenaire avec qui jaser quand on faut signer des ententes. Mais, okay? Excusez-moi, ouais, je vous laisse finir, mais okay? Je veux quand, pas perdre quand on entend des citoyens venir au micro et on a dit, tu sais, on était écœuré de se faire planter 15-0 parce que les calibres sont mal répartis ou il y a une mauvaise évaluation des joueurs en début de saison. Ça, c'est toutes des choses qu'on a entendues ici au cours des dernières semaines. Je fais juste partager mais c'est ça. Pour ça. Je vais juste terminer. Tu sais, nous, là, il y a quelqu'un, il y a eu un sondage qui est passé sur un réseau social populaire, là, sur un des Spotted, qui a quelqu'un demandé, tu sais, est-ce que vous voulez rester à l'association de hockey mineur La Chute ou éventuellement changer? Je pense que les résultats étaient à la hauteur de 33 personnes qui voulaient aller ailleurs, puis il y avait 7 personnes qui voulaient rester à La Chute. OK, mais là, je vais faire du pouce. Je vais faire du pouce sur ce que vous venez de dire. C'est sûr que c'est pas scientifique, là. On n'a pas basé notre décision sur ce sondage-là. Je vais juste vous dire que... Tu sais, dans l'ambiance là, du contexte, puis avec la façon dont Argenteuil a voulu négocier, nous, là, Mirabel, là, ils ont travaillé fort, là. Tu sais, on est vraiment contents, là. On veut établir un partenariat à long terme avec eux. Leur modèle d'entente, là, il est à durée indéterminée, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne avec l'association de hockey mineur Mirabel. Mais je pense que si on a évalué, là, la possibilité de partager dans l'avenir un coût d'infrastructure avec une ville... Moi, je vais vouloir travailler plus avec Mirabel qu'avec Argenteuil, je vous le dis. OK. Mais moi, ce que je vais vous redire, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait une consultation officielle, parce que tantôt, vous avez dit vous-même, tout ce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, ne vous fiez pas trop à ça. Puis là, vous me parlez d'un sondage non officiel, donc je sais, je le comprends tout ça. Sauf que je crois qu'il y a eu un manque. Et je me demande pourquoi il n'y a pas eu une consultation officielle. Moi, quand je vais vous présenter les chiffres tout à l'heure, là, vous mais allez voir... j'aimerais avoir une réponse. Pourquoi il n'y a pas eu de consultation officielle? Parce qu'on sentait qu'on n'avait pas... Tu sais, il y a eu beaucoup de questions au cours des derniers mois là-dessus. OK? Moi, mes réponses, là, mon travail, là, c'était d'offrir des possibilités, de créer des possibilités au conseil municipal. Pour que si, là, on a une décision à prendre, là, je vais avoir fait ma job. Vous comprenez? Si on a deux, trois choix, là, j'ai fait ma job. Mais justement, ça aurait été tellement plus simple. Ultimement, oui, mais ce qu'il faut évaluer aussi, là, c'est le contexte dans lequel ça s'est passé. Puis c'est l'historique de négociation qu'on a eu avec Argenteuil. Puis c'est la prise au sérieux du partenariat que la ville de Saint-Colombin représente avec la MRC d'Argenteuil. Je peux vous dire que c'est
pas à la hauteur de l'engagement financier qu'on a eu depuis 2011. Mais il n'y a ça, pas là, juste moi, là, le financier, M. Lalonde. Moi, je comprends. C'est ma responsabilité comme maire de protéger les intérêts de la population et de la ville de Saint-Clément en général. Mm-hmm. Pas seulement les parents qui sont inscrits au hockey. Parce que la contribution là, que la ville de Saint-Clément a fait dans l'inscription d'un joueur de hockey, là, elle est immense mm-hmm. depuis 10 ans. Vous n'avez payé que 25 % 30 % de la facture. Mm-hmm. Puis c'est les fonds généraux de taxation qui venaient subventionner vos inscriptions. Fait que oui, vous avez un droit de parole, mais le conseil municipal a surtout la possibilité d'évaluer s'il y a des meilleurs scénarios ailleurs. Ce qu'on a réussi à faire, on s'est fait proposer une offre, puis on pense qu'elle est meilleure. C'est à voir. Bonsoir, M. le maire. Martin Bordelot, 20 rue Rachel. Enchanté. Moi, je suis moi et ma conjointe, on n'est pas là nécessairement pour faire le débat si on veut jouer à la chute ou si on veut jouer à Mirabel. Ou... C'est un constat qu'on est arrivé que la chute, je suis d'accord avec vous là-dessus à 100 %, ils n'ont pas les infrastructures depuis plusieurs années. C'est évident que continuer à la chute, pour moi, ça me semble pas logique si on veut investir à long terme pour les jeunes. Je pense que ce qui est en dehors Mirabel ou la chute, je pense qu'il insécurise en ce moment les gens, parce qu'on n'a pas été consulté, puis on ne sent pas qu'il y a un plan à long terme pour nous rassurer. En fait, c'est seulement ce commentaire-là que je voulais passer aujourd'hui. Peu importe qui veut jouer où, là, c'est qu'on sent que c'est pas sûr tout ça, qu'est-ce qui se décide. Mm-hmm. C'est, tu sais, en toute franchise, le seul avantage que proposait la MRC d'Argenteuil, là, c'était la durée. C'était la durée de l'entente. C'est le seul point qu'il proposait de meilleur que Mirabel. Tu sais, il proposait 3 ans, renouvelable 3 ans, avec des garanties d'investissement sur les infrastructures pour s'assurer que Brownsburg survive à l'entente. Sincèrement, là, c'est le seul point pour lequel il proposait quelque chose de mieux que Mirabel. Je suis d'accord avec vous. Je pense que les gens sont un peu insatisfaits qu'on n'a pas été consultés. Mais ça. C'est ça que je ressens ce soir en général. Mais je comprends, mais en même temps, si vous prenez le temps d'écouter les séances précédentes, je pense que j'ai été quand même assez intègre dans mes réponses. Je vous ai mis au courant quand même assez dans ce que je pouvais faire sans bousiller le processus de négociation parce que j'essaie de respecter mes partenaires là-dedans. Puis quand j'ai commencé à négocier avec les trois, là, la régie, Mirabel, puis Argenteuil, tout le monde savait que je négociais avec les trois. J'ai pas joué dans le dos de personne. J'ai pas utilisé une ville pour faire baisser les enchères. J'ai été super transparent. Puis ça, c'est important pour moi parce que c'est des partenaires pour d'autres ententes après. T'sais, fait que moi, là, j'ai à prendre soin des relations que la ville de Saint-Colomban a avec nos voisins. Là, assurément, le hockey, on le sait. Là, moi, là, on le sait là, qu'on a une décision à prendre. C'est probablement la décision la plus difficile parce qu'elle est émotive pour vous. On le sait. Là, on n'est pas découpé de la réalité. Là. On le sait qu'on impose un changement. On le sait qu'on change quelque chose. C'est déjà arrivé dans le passé. T'sais, moi, j'ai rencontré les gens de l'Association de hockey mineur La Chute à 2 reprises avant qu'on en arrive à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai parlé à vos représentants officiels. Je les ai tenus au courant de toute la démarche. J'ai été quand même très, très transparent. T'sais, j'ai dit des choses que j'aurais pu ne pas dire, présenter aujourd'hui. Puis j'ai exposé le scénario parce que c'était important. Mais moi, j'ai eu le pouls un petit peu là, de ces gens-là. T'sais? Puis il faut respecter le fait que nous, on a une décision à prendre puis on pense qu'on agit pour le meilleur dans l'avenir. Certainement qu'on se met à risque un petit peu parce que j'aurais bien aimé ça s'il y a une entente de 10 ans. Non. Puis j'aurais bien aimé ça là, s'il y a une entente de 10 ans. Là. Mais regarde, Mirabel ne peut pas offrir ça. Fait qu'on y va, renouvelable. Puis dans une perspective où ça devient compliqué, est-ce qu'on peut entamer des discussions pour réfléchir à une infrastructure supplémentaire plus proche de Saint-Colomban au lieu d'aller la mettre, par exemple, à Saint-Hermas? C'est toutes des choses, là, qu'on peut réfléchir et qu'on peut discuter dans l'avenir. Bien là, ce que je comprends, là, il y a l'Assemblée générale demain à Mirabel. Moi, on m'a invité, on nous a offert un poste sur le CA. Fait que moi, j'y vais demain. Parce que moi, ma job après, là, c'est de protéger vos intérêts à vous. C'est pas juste pour les visiteurs de Mirabel? Bien là, on est dans l'entente. Oui, mais on va être droit de se présenter. Bien, si vous êtes...
C'est parce que là tu sais, techniquement, là, si on prend les règles de base d'une assemblée générale, il faut que vous soyez membre, vous n'êtes pas inscrit encore. C'est les inscriptions, ce que j'ai compris, c'est le 15 juin. Mais moi, je vais être là. Fait que, tu sais, si vous avez des inquiétudes, des craintes, c'est le temps aujourd'hui, ce soir, de me les transmettre. Puis moi, ma job après, puis celui qui occupera le poste sur le CA de l'Association de hockey Mirabel suivant ça au nom de la ville de Saint-Colomban, sa job, ça va être de défendre les intérêts, comme on fait tout le temps, des parents, des joueurs qui représentent Saint-Colomban. C'est bon? Madame. Bonjour, Christelle Bocage sur la rue Grande Allée. Moi, j'ai 4 joueurs de hockey. Mais ma question est sur... Moi, que je joue d'un bord de l'autre, là, honnêtement, je vais me faire lancer des tomates, là, mais je veux juste comprendre qu'est-ce que la MRC d'Argenteuil avait à nous offrir avec un aréna comme Brownsburg qui tombe à terre. Donc, c'était quoi qui offrait autre le prix? L'offre? L'offre. Je vais l'expliquer tantôt, Mme Bocage. Merci. Mais ça va être... Tu sais, écoutez, ça va être bien expliqué, ça va être transparent. C'était pas compliqué comme offre. J'ai une question très importante. J'aimerais savoir si c'est une assemblée sérieuse qui se passe ici ce soir. Parce que moi, je me suis renseignée... Vous allez trouver ça drôle, oui. Parce que je me suis renseignée cette semaine à savoir comment ça fonctionnait pour tous les parents qui voulaient venir, mais qui ont une job dans la vie. On m'a dit que sur le chat, ils pouvaient intervenir et poser des questions. Ouais. Pourquoi des parents sont bloqués présentement sur le chat? Madame Saint-Pierre Desjardins. C'est parce qu'ils utilisent un langage vulgaire, donc c'est automatiquement bloqué par le système de Facebook. Je vais poser la question d'abord. Êtes-vous au courant que Mirabel a refusé des jeunes cette année dans leur association? Non. Pourquoi vous n'êtes pas au courant? Ben parce qu'ils ne l'ont pas dit. Donc, vous vous êtes pas renseigné sur votre position ben à nous, prendre qui était la meilleure pour nous. Nous, notre travail, là, c'est est-ce que vous avez de la place pour nos joueurs? Ils nous disent oui. Bien, c'est clairement non. Après, s'il y a des cas dans la prochaine entente où il y a des gens de Saint-Colomban qui se font retourner chez eux avec le prétexte qu'il n'y a pas de place, moi, mon travail, c'est de ramener l'entente et de dire ceci n'était pas supposé arriver. Mais là, on ne peut pas faire des hypothèses actuellement. Là. Mais c'est pas une hypothèse. Mais ça s'est passé. Je comprends, là, mais je suis pas là, je connais pas les raisons. OK, parfait. Moi, mon travail, ça va être de défendre les intérêts des gens de Saint-Colomban. D'accord. Dans l'année à venir, pas de déterminer ce qui s'est passé avant. D'accord. Moi, j'étais pas là quand vous étiez avec Mirabel. J'étais de la chute. Maintenant, je suis ici. La raison pour laquelle vous êtes plus avec eux, c'est quoi? À l'époque? Vous avez été avec eux? Aucune vous avez idée. Été kické out? J'étais pas là, aucune idée. Avec Mirabel? Oui. Vous êtes pas mis au courant de pourquoi? Il y avait probablement des circonstances politiques. Trop de joueurs de Saint-Colomban. Mais il y avait surtout des circonstances politiques, à mon avis, là. Mais... Donc, je ne sais pas pourquoi qu'une ville qui vous a toujours kické out parce que vous étiez trop, ça changerait aujourd'hui. Mais, tu sais, Mme Fradette. J'espère vraiment. Mme Fradette, Oui, merci. Pardon. Quand on veut donner une raison intelligente à une question. Mais je pensais que vous étiez renseigné. Non, mais il y a des réponses politiques qui se donnent. Pas publiquement. Puis la réponse publique de Mirabel dans le passé, ça a toujours été qu'il n'y a pas de place, puis qu'il y avait pas de place pour les gens de Saint-Colomban. Mais il y a peut-être des conflits qui existaient entre deux villes, qui n'existent plus aujourd'hui, qui amènent à effacer ces raisons, je dirais, polies, de dire que Saint-Colomban n'est pas le bienvenu à Mirabel. OK. Puis est-ce que ça aurait été possible qu'on ait les bilans de ce que la chute proposait, ce que Mirabel proposait, je vais le présenter ce que tantôt. Oui, ça, on commence à le comprendre, mais tu sais, je veux dire, il y a un plan de match que vous essayez d'établir, mais pourquoi les citoyens n'ont pas été au courant de combien nous aussi ça coûterait? Parce que nous aussi, on débourse une partie. Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai présenté ça aux gens qui vous représentaient au sein de l'Association de hockey mineur La Chute. C'est ça que j'ai fait. Vous les avez élus, ils ont fait leur job. Puis, ils ont fait leur job parce que, tu sais, il y a des informations qui ont été distribués sur les réseaux sociaux. C'est bien correct, là. Je veux dire, tu sais, les gens qui n'étaient pas en faveur de ça ont alimenté des gens qui ont, je dirais, nourri les informations sur les réseaux sociaux. J'ai fait mon travail. Cette information-là, elle n'est pas sortie de nulle part. Okay. Elle est sortie d'une rencontre de la ville de Saint-Colomban avec les gens de l'Association de hockey mineur La Chute. Mais ici, j'ai une madame que visiblement, ses enfants ont joué à Boisbriand.
pour un tarif de 150 $ par année, sans ratio. Donc, je me demande pourquoi on n'a pas choisi cette ville-là versus Mirabel, parce que ça nous coûterait beaucoup moins cher à nous et à vous. J'ai essayé, Mme Fredette. Boisbriand a voulu respecter les règlements d'Hockey Québec. On ne peut pas s'obstiner contre ça. J'ai fait mon travail. Là. Thomas John Chaplin, j'étais déjà nommé. Là, je pense que c'est juste, on a toute peur, tout le monde a peur. Est-ce que on a chacun de nos jeunes ici est 100% assuré d'être dans une équipe l'année prochaine? C'est ce que dit l'entente. C'est ça, l'entente. Ah, OK. Puis tu sais, vous voyez, moi, je suis content de vous voir. Je pense que c'est votre première fois à une assemblée municipale. Oui. On est vraiment content de voir des jeunes, même si vous n'êtes pas d'accord avec la décision qu'on prend. C'est ça, la démocratie. C'est ça, le débat. Oh, Vous pouvez prendre, on va être obligé de vivre avec. Ouais, mais tu sais, dans une perspective là, où une entente qui est renouvelable à chaque année, là, ouais. Vous pouvez le voir comme un inconvénient. Mais dans la perspective où la prochaine année, là, ça se passe pas comme vous aimez, là, mm-hmm. On peut revoir toute la patente. Fait que oui, à la première lecture, là, c'est insécurisant là, un an. Mais si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous êtes traité à Mirabel, nous, on a du temps pour se réasseoir puis réévaluer les options. Fait que ça peut être perçu comme un avantage. Moi, je vous le dis franchement, c'est pas le meilleur scénario. J'aurais aimé ça avoir une entente à plus long terme, clairement. Parce que c'est pas mon activité préférée de rebrasser des ententes qui touchent le hockey. On le sait que c'est émotion. c'est émotif. Mais ultimement, si ça fonctionne pas, là, on a l'avantage de dire l'an prochain, ah, c'était vraiment gentil l'offre, mais les jeunes sont mal servis. Ça ne va pas comme on pensait que c'était pour aller. Mm-hmm. Fait qu'on va réinitialiser les discussions, puis on va évaluer nos autres options. Tantôt, tu avais dit, tu peux me corriger si j'ai tort, que le... Je n'ai pas eu l'idée, mais demande-moi. Pardon. Ah bon. Prends le temps. Pas de... Le... Oui, c'est cool. Fait que les jeunes... Pas de soucis. Non, c'est bon. Moi, je perds. Je me représente pas, là, vous connaissez. Votre nom de fille? Votre nom de mariage? C'est Cyr. Ah oui, hein? Ah oui? Non, moi, on n'est pas dans les années 80, là. Hein? Plusieurs fois, on a eu des discussions, toi et moi. Plusieurs fois, je me suis fait dire par toi, s'il y a deux ententes, trois ententes, on va vous les proposer. À ce que je comprends de toutes, c'est qu'il y a une entente avec Argenteuil, même si ça ne fait pas votre affaire. Il y a une entente avec Argenteuil, puis il y a une entente avec Mirabel. Il est où, le propos? Bien, elle va être présentée tantôt. Mais non, parce que si je me fie, puis ce que vous avez dit au début, c'est l'entente qu'on a décidé de prendre. Bien non, mais moi, j'essaie d'être transparent. Il y a un préjugé très, 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 très favorable avec Mirabel. Oui, mais est-ce que ce soir-là... Je pourrais vous faire croire qu'on n'a pas pris de décision, puis on attend de vous écouter, puis on va finir à l'appel pareil. Mettons qu'on, présentement, peu importe ce qu'on dit, votre idée est faite, c'est Mirabel. Pas mal, oui. That's all. Fait qu'on perd notre temps. Moi, j'ai amené mes deux enfants parce que c'était important pour moi d'être ici. Fait que, puis j'ai pas de gardienne, j'ai amené mes deux enfants. On n'a pas soupé. OK, c'est un choix personnel. Mais je perds mon temps à essayer de débattre. Un point que, de toute façon, vous avez voté. Bien... Puis, il est pas voté, malgré que Mirabel me le garantit, non pas le ratio pour nous accueillir toutes. Puis, tu sais, je le crois, là, la personne qui me le dit. Ben... Fait que, tu sais... C'est pas ça qui est écrit dans l'entente, madame. Oui, je sais que c'est pas ça qui est écrit dans l'entente, mais en réalité, M. Charbonneau, puis sa gang, ils vont faire quoi? Ce qui s'applique dans la vie, Mme Cyr, c'est ce qui est écrit, c'est jamais ce qui est dit. Mais tu sais, comme... Tantôt, vous dites, mon chum, il l'a posé. Nous, là, on était supposés d'aller à la chute. À peu près tout le monde, demain, s'en allait à la chute pour le conseil municipal. Pas le conseil municipal, mais le CA. Mon chum, il est coach. Moi, je suis gérante. Je voulais m'impliquer dans la chute. Mais là, demain, c'est Mirabel. Oh, vous n'êtes pas inscrit. Vous ne pourrez pas vous impliquer. L'inscription, c'est le 15. Oui, mais l'assemblée, c'est demain. Fait que si moi, je veux être gérante ou dans le CA ou peu importe, je peux pas rien faire parce que c'est tout demain qui se règle. Malgré que tout le monde dit... Tu sais, que le monde veut aller à la Mirabel ou à la chute, je m'en fous, là. Moi,
je me suis appartenu à la chute, puis c'est ce que je voulais. Parce que Mirabel, je le sais qu'il n'y a pas de ratio. J'ai vécu du hockey avec mes neveux à Mirabel, et c'est de, excuse le terme, mais c'est de la merde. Puis là, vous allez nous garrocher là-dedans. Jean, je comprends votre témoignage, mais moi, j'entends les deux côtés. Tu sais, il y a des gens qui me disent que c'est bien, il y a d'autres gens qui me disent que c'est pas bien. Ouais, on pourra jamais la plaisir. Même chose à la chute. On pourra jamais... C'est ça. Parce que, ben, regarde, excuse-moi. Ah oui, viens-t'en. Viens-t'en, mon chéri. Mon frère. Ah, donc, Monsieur Jean Desroches. Jean Desroches, coach à novice. Coach novice à la chute. Moi, mon frère, ses deux fils ont joué à Mirabel. Et puis, environ 7-8 matchs après le début de la saison, il a fallu qu'ils aillent voir l'organisation pour savoir comment que les équipes avaient été faites. Parce que son gars avait embarqué dans un club, il l'avait mis, parce qu'à Mirabel, il ne connaissait pas. Fait qu'ils l'ont mis dans un club, mais le club, comme monsieur qui parlait, il mangeait gang des volets, des 15-0, des 14-0, puis toute la quête. Mais il voyait bien que ça n'avait pas d'allure. Fait qu'il a demandé de rencontrer tout le monde. Il est arrivé au concept. Il y avait les coachs des quatre clubs, puis le coach du cinquième, qui était le sien, n'était pas là. C'était un genre de secrétaire qui était là, puis tout. Il voulait savoir, il dit. Là, il dit, ça marche pas. Il dit, regardez, joueur, il n'y a pas de calibre. Puis là, il dit, c'était pas épouvanté son gars, mais son gars, il n'avait pas l'affaire à cette équipe-là, il était trop fort, il était tout seul. Il dit, comment avez-vous fait les équipes? Ça marche pas. Fait qu'ils ont demandé, les quatre coachs, la clique, se sont fait des clubs. La cinquième, qui était la madame, qui était comme une secrétaire, il dit, c'est madame qui a fait le cinquième club. Il a demandé à madame, il dit, comment avez-vous évalué les joueurs? Les connaissez-vous? Elle n'a jamais été sur la glace, rien. Elle a pris des joueurs au hasard, ceux qui restaient, que la clique ne voulait pas. C'est pour ça qu'ils mangeaient des volets et toute la quête. Bien, c'est ça, Mirabel. Mais si je peux ajouter quelque chose, je m'excuse. Qu'est-ce que vous venez de nous raconter, là? On nous a raconté la même histoire pour la chute. Exactement la même chose. Les enfants se font battre 0 à 15. Ils pleurent. Il n'y a plus de... Fait que c'est on ce qu'on nous chute. Raconte. C'est ce qu'on nous avait raconté. Vous allez pouvoir le voir si vous regardez les séances de conseil à la chute. Ce sont à peu près les mêmes affaires qui se sont passées. Le bassin de joueurs est beaucoup moins élevé à la chute. À la chute, c'est sûr que quand tu pognes du Saint-Jérôme et du Mirabel, qui ont un gros bassin, mais ils ont des joueurs d'autres équipes plus fortes. Dans des équipes, à la chute, similairement la même chose qu'on nous a raconté cet hiver, ce printemps, ça revenait à ça. Oui, mais le CA de la chute, il a confirmé qu'il y a eu un manque pour le niveau... Je comprends. Je comprends. Mais je veux dire, l'année prochaine, ça sera peut-être plus ça là, pour le monsieur. C'est plate pour ses enfants. J'aimerais pas ça que mes enfants. Madame, c'est juste parce que c'est plate pour les gens qui nous écoutent de la maison parce qu'ils entendent juste qu'ils sortent du micro. Ah. Fait que j'essaie de limiter les interactions comme ça parce que là, ils entendent juste la conseillère ou le maire puis ils n'entendent pas vos répliques. Fait qu'on essaie d'être respectueux pour tout le monde. Moi, je veux juste dire que, tu sais, on n'est pas ici vraiment pour faire le procès des associations. Puis, tu sais, ce que Mme Dorage dit, c'est vrai qu'on l'a entendu. Puis, tu sais, dans mes négociations avec la régie de l'Aréna Rivière-du-Nord, j'en ai entendu aussi des affaires, tu sais, assez incroyables. Okay. Fait que s'ils sont obligés d'accepter nos sens, je dis 170, mettons, joueurs. 171. S'ils sont obligés de les accepter, si l'année passée, ils ont mis des joueurs dehors parce qu'il n'y avait plus de place, s'ils sont obligés d'accepter une autre, ils vont mettre du monde de Mirabel dehors. Bien, ça, dans l'entente, là, tu sais, en toute franchise, là, Mirabel passe avant Saint-Colomban. C'est écrit dans l'entente. Mais ils garantissent quand même que dans l'année qui vient, ils font la place à Saint-Colomban. Bien, vous voyez, juste novice, on avait sept équipes. C'est dans une perspective de non-renouvellement d'entente, là. T'sais, la raison pourquoi ils ne renouvelleraient pas, c'est parce que c'est normal, là, on ferait toute la même chose. Là. Mais tu sais, vous disiez, c'était un heure à tranche de 10 juste, joueurs. Ouais. Bon, vous voyez, dans le novice, on avait 7 équipes, juste novice. Et puis, mettons, avec le monde de Saint-Colomban, il doit y avoir au moins 4 équipes qui étaient formées par du monde de Saint-Colomban. Là, on parle de 4 heures de glace, déjà là, qui sont toutes bookées, que nous autres, on a besoin, 4 heures de glace, mais on parle juste du novice, là. Là, si on rajoute toutes les autres catégories, c'est au moins une journée. Il y a 7 jours dans une semaine. Ben, il y a combien de glaces à Mirabel? 4, Saint-Canet, Saint-Augustin, 2 à Val-d'Espoir, c'est ça? Ouais.
Bon, moi, mes négociations aussi, tu sais, avec la régie, c'est sûr que c'est la première question qu'on pose. T'sais. Avant même de parler d'argent, là, tu parles, tu sais, pouvez-vous nous accueillir? Tu sais, Saint-Jérôme avait plus de joueurs que Mirabel, avec une glace de moins, puis il me disait que ça rentrait. Fait que moi, je serais très, très prudent avec les positions qui ont été véhiculées dans le passé. Puis on va le voir. C'est sûr. Moi, là, votre devoir, là, c'est de nous informer de ce qui se passe en réalité. Je comprends votre travail. Vous avez fait votre travail. Non, mais dans l'année qui vient, M. Desroches, là, s'il y a des pépins, là, puis si c'est vrai là, que la qualité là, de pratique du sport, là, elle est corrompue un peu, là, elle est amenuisée pour les gens de Saint-Colomban, là, c'est vraiment important qu'on le sache. Mais en même temps, on ne peut pas faire d'hypothèse aujourd'hui que ça va arriver. Mais, tu sais, comme je l'avais dit, mon frère qui avait fait ça, ouais. Ben, il avait dit, OK, ben, je vais aller voir Hockey Québec, puis je vais faire une plainte. Là, ils ont fait que, oh, puis ils ont changé les équipes. Tu sais? Mais il a fallu qu'ils fassent ça, de Hockey Québec. Ça va arriver dans tous les assos. Oui. Puis, ça, je suis au courant, ça. Tous les sports aussi. Oui. Mais, tu sais, il y a l'affaire des gardiens de but, puis qu'est-ce qui me fait bien peur, comme vous dites, ils n'ont pas voulu faire plus qu'un an. Parce que c'était un élément de confiance. Moi, quand il y a de la confiance, c'est plus qu'un an. Hein. Mais, on verra. Il essaye juste une question d'argent. Non, mais s'il y a l'intégration, moi, je me mets à leur place. Là. Mettons qu'ils sont dans une association où ça fonctionne bien. Mm. Puis là, il y a 171 joueurs qui arrivent, 171 bénévoles, des coachs. Tu sais, faut que l'intégration, elle se fasse bien. Dans une perspective où l'intégration se passe pas bien, là. Moi, je ferais la même chose que Mirabel. Tu sais, puis je me garderais une petite gêne avant de m'attacher longtemps. Tu sais, Argenteuil, c'est sûr, Argenteuil, ils vont nous proposer plus long, là, parce qu'on le savait très bien dans le processus de négo, le poids que Saint-Colombin occupait dans l'association de hockey mineur de la Chute. C'est sûr, là. Les autres, eux, là, tu sais, je pense qu'ils ont mal évalué leurs options. Mm. Parce qu'ils ont mis en péril bien des affaires. Fait que ça, tu sais, c'est leur décision, là. Fait que là, point de vue monétaire, Mirabel, c'est 550, vous dites? On va le présenter, mais on n'est pas loin de là. OK. Puis ça serait 1500 si on veut aller jouer à la Chute. Actuellement. Non, les frais non-résidents, oui. Vous n'avez pas dit qu'il avait baissé à 600? Okay. Ça, c'est l'offre qu'ils nous ont proposé pour manger toute la tarte. OK. Sauf que c'est comme dans n'importe quoi qu'on fait dans des villes, des appels d'offres et de demandes. Ben, c'est ce qu'on a. Ben, s'ils nous reviennent ben, après fait, ça avec un 600. En fait, c'est des ententes intermunicipales. C'est pas soumis au système d'appel d'offres publiques. OK. Donc, comme vous avez dit tantôt, parce que Mirabel vous offrait 500 ou. Mais tu sais, nous, on nous offre 4 glaces. Vu qu'ils sont venus les premiers arrivés, vous voulez embarquer avec eux autres parce qu'un genre de respect, parce que c'est eux autres qui l'ont porté le premier. Jamais on aurait eu 600 avec Argenteuil si Mirabel ne nous avait pas proposé ça. Jamais. Oui, mais là, il l'offre-tu, le 600, là? Oui, ça a été fait. Pourquoi qu'on y voit pas? Juste 100 de plus? Ben, parce que c'est pas juste le prix, M. Desroches. On a 4 glaces, on a la proximité des infras, on a une association qui est mieux structurée. Oui, mais pour 100$ de plus, ils veulent jouer avec le chum, eux autres. Mais si vous voulez, tu sais, la position, là, si vous tenez absolument à jouer à la Chute, là, moi, je pense pas que l'association de hockey Mirabel va vous attacher. Ben, si vous voulez aller jouer à la Chute, ils vont vous donner le release, puis ils vont vous permettre d'y aller. Oui, mais pourquoi? C'est comme ça. Oui, mais vous dites, vous parlez de Mirabel de tout à l'heure. Il n'y a rien de voté, là. Non. Bon, mais s'il n'y a rien de voté, pourquoi on ne prend pas la Chute? On est tous là pour avoir la Chute. Ben, pour 100$ de plus, je pense que tout le monde serait d'accord. Oui, mais, tu sais, là, ici, tu sais, oui, il y a une représentation des gens. Oui, là. C'est ça. Je peux-tu prendre la parole? Vas-y. En fait, bon, OK. On comprend là, qu'on va jouer dans un salon. Quand on joue dans un salon du monde, c'est pareil, c'est toujours. On le sait qu'on est au courant, on est conscient que le hockey, c'est une grosse décision. Par contre, une chose que je veux que vous sachiez, les gens qui sont ici, il y a deux, trois courageux qui sont venus affronter. Là. Ils savaient qu'ils se feraient lancer des roches. Mais je veux juste vous rappeler, puis tous mes collègues, ils peuvent aussi en témoigner. On a reçu, moi, personnellement, de mon côté, j'ai reçu aucun parent des Stars qui voulait rester à la Chute. Bien au contraire. Les courriels que j'ai reçus, c'était des parents, dont des entraîneurs, qui m'ont demandé, qui m'ont justement dit, on ne veut pas se présenter parce qu'on ne veut pas le crier haut et fort. Mais ils disent, ça serait, les conditions seraient beaucoup mieux si on irait ailleurs. Puis ils n'ont pas préféré de ville, là. Ils n'ont pas nommé Blainville, ils n'ont pas nommé Mirabel, ils n'ont pas nommé Saint-Jérôme. Ils ont dit, on serait mieux ailleurs qu'à la Chute. Je veux juste vous en faire mention. Prenez-les, prenez-le pas, mais je vous en fais mention.
des joueurs de haut calibre qui savent qu'ils vont avoir une belle place là-bas. Ben écoute, ça je peux pas en témoigner parce que ces gens-là, moi, personnellement, je les connais pas. C'est des courriels que j'ai reçus dans ma boîte de la ville. Ouais. Mais peut-être c'est ça. Ben, mais ça, je peux pas le confirmer. Il y a des choses que c'est juste une logique. On n'a pas besoin de le... Ouais. Ouais, mais c'est ça, comme je vous dis, moi, je ne suis pas au courant, ces gens-là, leurs enfants jouent dans quel calibre, malheureusement. Ça, je peux pas le confirmer. OK, c'est bon. Bon, mais comme j'ai dit tantôt, je dis, il n'y a rien de vote. Il n'est pas supposé d'avoir de rien de voté encore puis de régler. Fait que, moi, en tout cas, à 100$, moi, je retourne à la chute, puis ils jouent avec leur chum, puis que tous les petits gardiens de but vont pouvoir garder les buts. Sinon, les parents, va falloir qu'ils vendent tout leur stock de goalers. T'sais? Surtout ici, là, à la chute, là. Il y avait de la place pour les gardiens, mais à Mirabel, il n'y aura pas de gardien de but qui va aller à Mirabel. Merci, M. Desroches. Merci beaucoup, M. Desroches. Oui. Marie-Claude Garand. J'ai une question. On sait que c'est 171 joueurs cette année qui étaient inscrits au hockey mineur. Est-ce que on a le même processus qui est en train de se faire pour le baseball? Parce qu'ils sont quand même affiliés aussi avec la chute, avec les Dodgers. Non. OK. Combien y a-t-il de joueurs de baseball? Aucune idée. Est-ce quelqu'un qui a une idée? Un terrain de baseball, après ça, on va non, mais c'est regarder. Pour ça. C'est un peu là. Ma question s'en va vers là. Je sais qu'on va avoir un beau stand de baseball. J'adore le baseball en passant. Est-ce que ça fait partie un peu de la décision? Genre, de rapatrier aussi les joueurs de baseball dans une association à Saint-Colombert, donc on ne veut plus les joueurs de hockey non plus à la chute? Non, on n'en est pas là. Non? C'est sûr qu'idéalement, une ville, tu sais, elle peut gérer sa propre association. Je suis d'accord. Mais c'est une question de nombre d'inscriptions. OK. OK. Donc, de là, ma question, le stand de baseball est là pour… De toute façon, on ne ramène pas les joueurs de Saint-Colomban qui jouent au hockey à Saint-Colomban. On les ramène pour qu'ils jouent à Mirabel. Non, ils je le sais. Ils jouent dans une autre municipalité quand même. Oui, je comprends. Ce que je veux dire par là, j'essaie de faire un parallèle. Je sais que ça coûte cher. Je sais que ça coûte cher. Le stand de baseball, il coûte très cher. Il coûte le prix que ça coûte. Oui, non, je le sais. Mais c'est oui, je sais. Cependant, je trouve que là, tu sais, on a comme un. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai comme un sentiment que là, ça a joué un peu dans la décision là, dans le fond, pour les frais du hockey. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que le terrain de baseball coûte cher. Fait que là, en étant capable de sauver sur le hockey, c'est vraiment pas l'arrêt. C'est vraiment pas ce que plusieurs pensent, là, mais. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez assisté à quand on a présenté comment on le payait, le terrain de baseball. Là. Non. On le paye comptant. Fait que ça ne change rien. OK. Non, c'est pas deux. Pas deux codes budgétaires. D'accord, puis on peut. OK. Puis, pourquoi on peut pas, pour le hockey, payer comptant? Je comprends pas. Ben, je sais pas, c'est pas clair, c'est pas, peut-être. Ben je m'excuse. Pardon? Je comprends pas votre question. Ben, on parle d'une infrastructure. Là, mettons là, avec les ententes. Juste un instant, on parle d'une infrastructure qui est accessible à toute la population. Oui. Qui est à la fois faite pour les jeunes, mais qui est à la fois faite pour les ligues d'adultes. Oui. OK? C'est accessible, c'est comme un parc. Parfait. Si vous voulez aller jouer un dimanche à 1h, il n'y a rien qui se passe là. Vous prenez vos enfants, bâton, vous jouez, il y a une autre famille qui arrive, c'est ouvert. Parfait. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien. C'est ça, ma question, c'était, il n'y a pas eu comme un mélange ou quelque chose par rapport que ça coûte plus, tu sais, le baseball. OK. C'est bon. Merci. Si je peux me permettre, là, je suis sur le comité des finances, puis c'est des budgets qui sont complètement séparés, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Merci beaucoup. Bonjour, François Brault de Ridoris. En passant, il y a 5 ans, quand on a signé la nouvelle entente avec la chute environ, c'est plus longtemps. L'ancien maire a fait une réunion de l'autre côté, puis a proposé les 3 propositions qu'il y avait pour nous tenir au courant un petit peu. Le problème que j'ai, moi, avec ce que vous proposez, là, si c'est Mirabel, là, que ce soit Mirabel, la chute, c'est correct. Mais question de développement des joueurs, ce qui est important. Là, oui, c'est la base. Signer un an, ça ne marchera pas. Mais nos enfants ne seront pas considérés. 3 ans non plus, monsieur. Oui, parce que si vous arrivez dans une association et qu'il y a des joueurs qui sont connus, ils ne les mettront pas de côté pour faire place à quelqu'un d'autre pour 1 an. Ça, je vous le garantis. Que ce soit n'importe qui évalue, ça, c'est sûr et certain. Fait que le problème que j'ai, moi, avec votre proposition, c'est le 1 an. Moi, je vais prendre votre question en note puis je vais la poser demain, OK, à l'Assemblée. La deuxième chose. Les heures de pratique, là,
Est-ce que c'est sorti à la semaine? Parce que Mirabel, c'est sorti à la semaine. Ça, il faudrait poser la question à l'Association de hockey mineur. Ça fait une grosse différence sur une vie familiale. Que ça soit à 15 minutes à place de 20 minutes de voyagement, ça fait une grosse différence. Surtout quand tu as plus qu'un enfant et qui joue au hockey. Tu as ta cédule le dimanche, puis là, finalement, la pratique était le lundi, est rendue jeudi, l'autre semaine d'après le mercredi, le deuxième et le vendredi. C'est toute une différence. OK. Ce serait des points, là, avant de signer quelque chose. Là. Parce que si c'est pour le bien, comme vous dites, au-delà du prix et où est-ce qu'on va jouer, c'est des points qui sont très importants. Pour avoir évalué des joueurs pendant longtemps, à la chute, depuis le temps qu'on est là, que ce soit un jeune de la chute ou de Saint-Colomban, il n'y a pas de différence. Mais je vous garantis que même qu'on rentre à Mirabel, ceux qui évaluent, qui sont là depuis toujours, il va y avoir une différence des évaluations. Puis pour un an, un jeune va devoir être impeccable pour faire une équipe intercité à la place de Saint-Pélette. Puis pour répondre à monsieur, s'en être dans une autre ville, quand tu es deux lettres, tu as beaucoup moins de chances de faire deux lettres que si tu es Saint-Pélette de rester Saint-Pélette. Tu sais, c'est les points vraiment importants avant de dire oui et de signer quelque chose. Et de consulter les gens, très important. Je peux-tu juste ajouter une chose? Entre autres aussi, il y a eu des plaintes de parents qui trouvaient que la chute, c'était très loin pour amener leurs enfants. Ça aussi, ça faisait partie des plaintes qu'on a reçues. Oui, mais c'est vrai, les gens, ils se plaignaient que la chute, c'était trop loin. Ça prendrait une aréna, soit à Saint-Colomban, qu'on construise un aréna, ou qu'on aille jouer à Mirabel, ou à Saint-Jérôme, ou ailleurs. Mais c'était une des plaintes qu'on recevait régulièrement. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est plus loin de se rendre à l'aréna de Deux-Montagnes ou de la chute? Non, juste pour... parce que mon garçon a joué à Deux-Montagnes cette année, parce qu'il n'y a pas de place à Saint-Colomban pour lui qui joue dans sa catégorie. On était joué à Deux-Montagnes. On s'est dit que ça va être loin. Non. C'est moins loin que se rendre à... C'est le même temps que se rendre à la chute. D'accord, mais c'est quand même des plaintes qu'on avait. Oui, je comprends. Puis j'ai été dans l'association de Deux-Montagnes cette année, puis je peux vous dire que j'entendais les mêmes choses que j'attendais à l'aréna de la chute. Mm-hmm. Puis en parlant de nouvelle aréna, pourquoi que c'est pas une idée, ça, d'investir avec la ville qu'on va signer à long terme, d'investir dans un aréna? Bien, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr que, tu sais, pour nous, là, c'est dans les négociations, là, OK, peu importe avec qui on parlait, là, OK, on va mettre dans le bon sens, Saint-Jérôme, Mirabel, puis La Chute. C'est sûr que dans les trois places, là, il y a des discussions pour une nouvelle glace, pour des raisons différentes. T'sais, Argenteuil, parce que Brownsburg, c'est une ruine. Mirabel, parce que t'sais, dans la perspective de croissance, je pense que c'est pas fou de croire que des villes qui ont des taux de croissance en haut de 20 % avec une moyenne d'âge à 35,5 ans, 36 ans, 37 ans, puis Saint-Jérôme, même chose avec la régie. T'sais, là, il y a eu l'aréna à Cap-Jeunesse qui a été fermée. Il y a les deux glaces à la régie. Fait que peu importe avec qui on parlait, on le sait qu'à long terme, avec qui on décide de s'associer, éventuellement, il va y avoir des discussions pour un partenariat financier pour participer à la construction d'une glace. Ça, peu importe avec qui on parlait, là, c'est là. OK. Intéressant. Puis, avez-vous regardé le ratio de tête enfant par le nombre de glaces? Ben, aux endroits. Comme j'ai dit, nous, ce qu'on a dans l'entente, là, t'sais, moi, la première chose que j'ai demandé, c'est si nous, on décide, par exemple, d'aller à la régie ou à Mirabel, est-ce que vous avez de la place pour nous accueillir? Puis répondre aux critères de Hockey Québec dans le fait de fournir l'heure de glace imposée par l'organisation. Puis on fait un travail, puis partout, c'était oui. À partir de là, on peut commencer à négocier. Puis c'est ça qu'on a fait. OK. Moi, il faut que je fasse confiance à mon interlocuteur. Oui, je comprends. Mais je répète, pour un lien de confiance, un an, ce n'est pas acceptable. Vous allez... Mais ça se bâtit, la confiance. Je comprends, mais vous allez le nuire au développement et au plaisir des jeunes au hockey. On verra. On va être à l'écoute. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est le « on verra ». Ben non, mais on va être à l'écoute. Tu sais, monsieur, malgré tout ce qu'on pouvait faire à la chute, vous étiez quand même à Deux-Montagnes. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place, mon garçon, cette année. Mais il n'y avait pas plus de place à la chute. Non, mais ça c'est pas grave. Là. C'est pas ça la question. La question, et c'est pour les évaluations, bien évaluer les enfants, si vous en allez pour un an, je vous garantis que les parents qui vous disent qu'à la chute, c'était pas correct, les évaluations, ces choses-là,
qui vont vous redire la même affaire après un an à Mirabel. C'est sûr et certain. Je l'ai bien noté, je vais en parler demain. Puis les 15-0, là, parce que pourrait être assez longtemps la chute, là, bien souvent, là, c'est des impositions d'Hockey Québec, le nombre d'équipes qu'on a et les lettres. Mon garçon, puis oui, 2A, je peux vous dire, on a eu une année de misère, il y a eu une moyenne de 45 lancés, les deux gardiens de but. Puis oui, 2A, on n'était pas là. C'est Hockey Québec qui sont venus évaluer l'équipe qui nous a dit vous êtes Pee-Wee 2A. Mm-hmm. On a eu une saison correcte dans le Pee-Wee 2B. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, là, ça allait aider à son développement. Fait que le hockey, là, c'est l'attitude des parents aussi et des jeunes. Si tu bourres ton jeune avec des, la poutine et des hot dogs avant d'aller au hockey, là, mm-hmm. puis tu dis ah, les jeunes ne poussent pas puis ils perdent, là, ben ça part du parent aussi. Un an, c'est pas acceptable. Mais personne n'a entendu la question, M. Desroches. Elle était bonne. Dominique Larrain, 115 rue des Cuivres, Saint-Colomban. Le ratio de 1 heure par 10 personnes, ça comprend juste les pratiques? J'ai pas le... Les pratiques avec les games? Parents, peut-être. Je me rappelle pas du libellé, on l'a, là, on va vous le dire. OK, parce que si c'est juste les pratiques, ça veut dire que les games ne sont pas compris là-dedans. Bien, ça aurait du sens là, que ce soit pas compris là-dedans. Ouais. Dans le sens que j'espère qu'il y a de la pratique en plus des matchs. Bien, c'est ça. Ouais, ouais. Si on le met pour les games, ça veut dire qu'on a plus de pratique. Il me semble que c'est pratique, là, mais on va vous le confirmer. OK, parfait. Non, mais ça, c'est des heures de glace nécessaires. Ouais. C'est inscrit en saison régulière, un ratio de 1 sur 10,5. Une heure de glace pour 10,5 inscriptions sera remis à l'association. Fait que, tu sais, c'est une entente de la Ville. La Ville, là, elle a une obligation de garantir un nombre d'heures à l'association. Je vous le répète, l'entente, là, n'est pas entre la Ville de Saint-Colomban et la Ville de Mirabel. Non, je comprends ça. Elle est entre l'association de hockey Mirabel et Mirabel. Fait que Mirabel, elle s'engage à rendre disponible des heures de glace pour l'assaut. C'est ça. Fait que donc, c'est une heure par semaine. Game et pratique ensemble. En fait, là, dans le premier libellé, là, ce qui est inscrit, c'est la Ville de Mirabel s'engage à fournir les heures de glace nécessaires pour la tenue des camps d'évaluation, des pratiques et parties de la saison régulière, des séries et des régionaux. OK? OK. Fait que donc, le ratio d'heures n'est pas grand. Là. Si c'est les games et les pratiques. Ils ont un minimum. De 10 heures. Ils ont un minimum. De 1 heure pour 10 personnes par semaine, c'est pas beaucoup. Là. C'est juste pour être bien sûr de ça. C'est la même chose de la chute. Je ne sais pas, j'aimerais voir. Mais, OK, les releases, est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne? On va l'expliquer un peu, oui. Si on s'en va avec Mirabel, c'est Mirabel qui ont le dernier mot là, de nous donner notre release. Oui. Vous savez qu'ils vont donner notre release seulement s'ils n'ont pas le choix? Ben... Pas parce que mon gars dit, moi, je ne veux pas jouer à Mirabel, je veux aller jouer à la chute. Ils ne donneront jamais. OK. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Puis, moi, ce que je vois là, de l'entente de 1 an, c'est que oui, ils vont avoir de la place pour le monde de Saint-Colomban. Ils vont faire leurs équipes avec les jeunes de Saint-Colomban qui sont forts pour renforcer les équipes de Mirabel. Ceux qui n'ont pas de place, bien, regarde, ils sont plates, allez-vous-en chez vous. Autant Mirabel que Saint-Colomban, les moins forts vont s'en aller chez eux. Mais pour 1 an. Je comprends, M. Larrain. Si ça passe, ça passe. Puis si ça passe pas, bien, trouvez-vous une autre place l'année prochaine. Ça, c'est des questions qui sont posées à l'association. Puis je pense que toute association fait face à ces questions-là. C'est pas au conseil municipal. C'est même pas à la Ville de Mirabel, en soi, d'y répondre. T'sais, c'est la façon dont l'association est gérée. Mentalité d'association. Puis c'est la façon dont l'association elle est gérée. Fait que, tu sais, je comprends là, que vous me posez les questions. Puis, tu sais, nous, là, comme, tu sais, je vous le répète, là, tu sais, vous dites que c'est une entente d'un an. Nous, on la voit comme une entente à durée indéterminée, renouvelable annuellement. Ben, moi, je la vois plus comme une entente de « on va essayer ça, puis si ça ne passe pas, ben ils s'arrangeront. » Moi, c'est le même, je vois ça. Ben, moi, je pense pas que Mirabel a dans l'intention de ne pas travailler sur des partenariats gagnant-gagnant, efficaces pour les deux villes avec la Ville de Saint-Colomban. Mais je mets mes tripes.
si jamais ça se passe pas comme prévu puis qu'on se ramasse dans un scénario, vous viendrez me le dire l'an prochain. Puis le fait de faire des négociations avec un avec l'autre, c'est pas ça le but de, à un moment donné, qu'il y en ait un qui t'arrive avec le moins cher? Ben oui, mais il est pas moins cher. C'est ça le problème. OK, 550 à Mirabel plus les chandails versus 650, je pense, à la chute. Bien, nous, on mesure la qualité des infrastructures, la distance. Tu sais, vous allez sauver la distance. La distance, sur, on peut s'en passer. Je pense qu'on n'arrivera pas, là. Non, mais c'est de l'argent aussi, là. Mais puis, ce que les jeunes veulent, ça, on n'en prend pas en conséquence. Ça vaut pas plus que les infrastructures, ça, l'amitié, ce qu'ils ont fait avec les gars de la chute. Je vous entends. Moi, je suis coach junior. Avec un de mes chums là, Junior B. On avait combien de gars de Saint-Colombin dans l'équipe? Trois quarts d'équipe. Trois quarts d'équipe, 60% peut-être. On a su ça au tournoi qu'on vient tout juste de finir, qu'on est allé en finale en passant, en fin de semaine. Bravo. Puis, on a su ça après la game. Puis, le ratio de joueurs qui voulaient changer de place de les gars de Saint-Colombin là, 0%? 0%, je pense qu'il voulait changer de place. Juste comme ça, en passant, je ne sais pas où c'est qu'on a eu le 32% de qui voulait changer de place puis versus 5 qui voulait rester là, là. Dans une chambre des joueurs, c'était 100% qui ne voulait pas changer de place. OK. C'est quoi la question, mon ami, qu'Éric voulait? Ah, oui. C'était possible de demander... Non. Ouais, d'avoir un référendum pour un vote sur la proposition? Non. Non. Ou de repousser d'abord votre Non, on ne peut pas. Les inscriptions, c'est le 15 juin. Nous autres, là, on se dépêche. C'est pour vous, là. C'est pas pour nous. On pourrait signer au mois de novembre, si on veut. Il reste deux semaines pour Mirabel. Pour s'inscrire au hockey Mirabel, il reste deux semaines, c'est le 15 juin. C'est ça, on a le temps. Puis les inscriptions d'Argenteuil, c'était moi, on m'avait dit que c'était le 1er juin. Mais toutes les repoussées à Argenteuil, non? Les inscriptions finies le 15 juin à Mirabel. Écoutez, je vais vous le répéter. Les jeunes qui veulent rester à la chute, là... Ils pourront pas. Ben ils essaieront. Ils pourront pas. Ils donneront jamais le release. C'est sûr et certain. Ils laisseront pas partir un joueur de 2A dans une autre ville parce qu'il veut aller jouer à l'autre ville. Ce que je vais faire demain, si ça peut répondre à vos craintes, moi, je vais contacter le maire de Mirabel, puis on va essayer de s'assurer que les releases ne soient pas bloqués pour les gens qui veulent rester à la chute. Et puis, ben, quand est-ce qu'on va savoir ça, nous, ça a été passé, ça n'a pas été passé, ça a été demandé? Après la séance, venez me voir, je vais prendre vos coordonnées, puis ça va me faire plaisir de vous contacter suivant la discussion que j'aurai avec la madame Mirabel. Bon? Bien, oui, la décision va être prise pareil. Là. On la prend ce soir. Ben oui. Pour vrai. Tu sais, nous, là, on veut répondre... Oui, juste un instant, il y a une intervention qui disait que c'est une bonne idée. Moi, ce que je veux dire à ça, c'est que nous, notre travail, là, c'est de vous assurer de répondre à vos besoins. On s'attendait un peu à faire face à des gens qui désirent rester à la chute. C'est pour ça que j'avais déjà initié une possibilité de voir et travailler avec la MRC d'Argenteuil à réduire les tarifs non-résidents pour accommoder les gens qui veulent absolument rester à la chute. L'autre partie de ça, c'est de travailler avec Mirabel pour s'assurer à ce qu'il ne s'oppose pas à des demandes de gens de Saint-Colomban qui désireraient rester à la chute. Moi, je pense que avec la nature de la relation que j'ai puis qu'on a avec la ville de Mirabel, il n'y aura fort probablement pas d'objection. Je ne veux pas parler pour eux, là, c'est pour ça que je doute. Là. Tant que je n'ai pas eu la discussion, je ne peux pas vous transmettre à 100% la position de la ville de Mirabel, mais je vais m'engager à le faire sans problème. Pas de problème. Monsieur. Je m'appelle Logan Chaplin, 112 Grande Allée. Ma question, c'était, il y aurait tellement de joueurs que les glaces, pendant les pratiques, ça va être-tu demi-glace ou glace? Pleine glace. Va falloir poser la question à l'association. J'ai malheureusement pas mais la réponse. Mais c'est pas vous qui allez faire ça? Non, c'est l'association de hockey mineur Mirabel qui finit par déterminer l'horaire des pratiques avec les équipes. OK. Puis là, moi, j'ai eu une communication, peut-être juste donner le titre. C'est le directeur général de hockey Mirabel. Bon, le directeur général de hockey Mirabel qui tient à
a mentionné qu'il aurait aimé ça être présent. Plusieurs oui-dire qui ne sont pas vrais. Puis la position, c'est jamais on va empêcher personne d'aller à la chute. Fait qu'on a une position claire de la part de la direction, du directeur. Ben sinon, ce sera ailleurs. Là. Mais, je pense pas qu'il arrive et qu'il prenne une position pour empêcher la volonté d'un jeune de jouer dans l'équipe qu'il veut. On m'écrit, il n'y a pas de release à donner, ce n'est pas la réalité. Si les gens veulent jouer à la chute, malgré notre entente signée, ils pourront y aller. Fait que moi, je peux pas être plus transparent que ça. Là. Donc, s'il vient nous écrire, c'est parce qu'il nous écoute? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il peut nous écrire pour dire que les 171 places vont être respectées et que personne ne va se faire envoyer chez eux? Bien, l'entente, M. Desroches, c'est ce qu'elle dit. Là. Je veux dire, la Ville, elle nous garantit ça. Ça ne peut pas être plus solide. Là. OK. Seule affaire que je déplore, c'est comme je le dis là, parce que tantôt je l'avais dit là, ceux, ils n'ont pas compris, là, c'est que ça aurait dû se faire au moins un mois, cette réunion-là, pour qu'on vous apporte des questions que vous pouviez leur poser, tandis que là, on arrive ici ce soir, la décision est déjà prise, puis on nous le met dans le fond de la gorge en disant, vous allez faire ça, c'est fini. Mais c'est une bonne question, tu sais, je vous ai dit tantôt, c'était une bonne question. Mais, tu sais, moi, là, j'ai pas retenu pendant des semaines l'information. Tu sais, j'ai talonné mes collègues pour avoir les réponses quant aux possibilités. Tu sais, moi, j'étais dépendant un peu de ce qu'on m'offrait comme réponse. Puis aussitôt qu'on a eu les trucs, les propositions, tu sais, la première chose que j'ai fait à 24 heures d'avis, on a convoqué les gens de l'Association de hockey mineur La Chute pour leur présenter les scénarios. Puis on leur a dit, là, on fait une assemblée extraordinaire parce que moi, je m'étais engagé à régler les affaires le 1er juin. Tu sais, moi, si je reçois les propositions, tu sais, je n'ai reçu une samedi en réaction à celle de Mirabelle. Mirabelle, on l'a reçue la semaine passée. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça, c'est sûr, là. Mais, tu sais, des fois, dans une négociation, là, on est pris avec le sentiment d'urgence de nos partenaires. Parce que moi, ça fait depuis février-mars, tu sais, qu'on a entamé les discussions. Puis là, ben, tu sais, moi, je dépends de la possibilité, de l'analyse des places, puis tout ça. Tu sais, j'étais pas seul à contrôler le calendrier. C'est sûr que dans des délais raisonnables, on aurait fait les choses. Mais tu sais, moi, je l'avais quand même expliqué que oui, les parents ont leur mot à dire, mais ultimement, c'est la décision du conseil qui prime. Puis les gens ont eu la chance dans les dernières semaines de partager c'était quoi qui était important pour eux, c'était comment, qu'est-ce qu'ils considéraient, c'était quoi l'état de la réalité. Argenteuil, tu sais, on a des gens qui nous ont écrit, tu sais, on aimerait mieux aller ailleurs. T'sais, on a fait tout le bilan de ça. C'est ça que notre décision va. Ouais, ça. Ça, c'était ouais, à eux à l'analyser. Ça, c'était pas ouais, à nous. Ça, c'était à eux à mettre ça dans la balance. Si vous me permettez de renchérir aussi sur la consultation un peu informelle qui a été faite, au dernier conseil, on a mentionné que vous pouvez communiquer avec vos élus ce que plusieurs personnes ont fait de façon anonyme. Fait qu'il y a des gens qui sont pas présents ce soir, qui représentent pas nécessairement les mêmes intérêts que vous. Fait qu'on prend que le portrait qui est dressé ici ce soir vous donne l'impression d'une majorité favorable à Argenteuil, mais c'est pas nécessairement le portrait qu'on a reçu. C'est tout le temps de même. Ceux qui ont peur, ils se présentent pas pour donner des arguments. Il n'y a pas personne qui aurait pitché de roche à personne. Il aurait fallu qu'ils viennent et qu'ils disent leurs arguments comme on a tout fait. T'sais, tantôt, là, je le savais que je me ferais pitcher des roches. Il n'y a pas personne qui se fait pitcher de roche. On a nos points. Puis peu importe, c'est comme dans la vie. Il n'y a pas personne qui est d'accord avec personne. Mais Je suis d'accord. Est-ce qu'on passe au chiffre? Oui. Ben, okay. Ah, il était bien caché. Oui. Est-ce que vous êtes plus d'un bord que de l'autre? Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes plus du côté de Mirabelle. Bien, c'est un peu pourquoi il faut prendre des décisions. Hein. OK, c'est ça. Mais aussi, je comprends que vous êtes plus du bord que de Mirabelle. Tu sais, je respecte ça, il n'y a aucun problème. Mais vous direz que vous êtes fermé au fait d'aller vers la chute. Bien, tu sais, notre travail, là, c'est de prendre des décisions. OK? Puis de s'engager à vous les expliquer de la manière la plus transparente possible avec les éléments que nous avons considérés dans notre prise de décision. Tu sais, on ne s'attend pas à ce que 100% des gens soient toujours d'accord sur les décisions qu'on prend. Mais mon engagement, notre engagement, c'est toujours de prendre le temps d'expliquer la décision qu'on prend. Puis dans ce cas-là, on le sait, là, on fait face à une décision qui est émotive. Il y a de l'attachement, il y a un passé, il y a un historique. Mais il y a aussi, tu sais, ce que je vous ai expliqué depuis le début, là, la perspective, la vision à long terme, la qualité des infras, puis tout ça. OK. C'est bon. Merci. Donc, point, j'ai pas de point, j'ai pas mes points.
Ça sera pas long, ça. 2.1.4. Monsieur le maire, je m'excuse. J'avais quelques questions en rapport avec l'entente sur Facebook, si vous me permettez. Qui n'ont pas été répondues encore? Je suis pas certaine. Est-ce que je peux vous les poser juste pour être certaine? Oui. Merci. Nous avons Martin Caron, rue Estelle. N'est-il pas vrai que les frais de tournoi, contrairement à la chute, sont en plus des frais d'inscription? Oui. Est-il vrai? Monsieur le maire, avez-vous répondu? Je m'excuse. Vous avez lâché de la tête, je ne vous ai pas vu. Désolée. Oui. La suivante, est-il vrai que dans l'offre de la MRC Argenteuil, il est entendu de la création d'un comité mixte Saint-Colomban, MRC Argenteuil, AHML et les parents dans le but de trouver une solution pour remplacer et ou rénover l'aréna de Brownsburg, comité demandé par l'AHML? Il y avait, depuis le début des signatures des ententes en 2011, il y a toujours eu un article qui prévoyait la création d'un comité qui ne s'est jamais mis sur pied. Puis il y a eu des décisions qui se sont prises dans le passé par la MRC d'Argenteuil sans jamais consulter la ville de Saint-Colomban. Donc, dans la deuxième contre-proposition, la MRC d'Argenteuil proposait le statu quo, donc ce qu'on payait avec le... Peut-être historiquement, là, vous devez comprendre que l'entente avec l'Argenteuil était basée sur la richesse foncière. Donc, c'était un sou par 100 $ de richesse foncière. En 2011, la richesse foncière était, je vais donner des faux chiffres, là, mais ça va vous donner une idée des proportions. La richesse foncière était à 1 milliard. Donc, ça revenait à 100 000. Aujourd'hui, la richesse foncière elle a plus que doublé. Okay? Puis les frais de gestion de la MRC d'Argenteuil n'ont pas nécessairement augmenté au même rythme que la richesse foncière de Saint-Colomban. Si bien qu'avec le temps, on a toujours fini par payer beaucoup plus que la MRC d'Argenteuil, ce qui est correct, là, l'entente était signée. Mais à ce titre-là, il y avait toujours un comité. Donc, quand on a proposé le statu quo, on proposait finalement de continuer à évaluer le coût de la participation de la ville de Saint-Colomban à l'intérieur de cette entente-là, basée sur la richesse foncière. Mais ce qu'il faut savoir pour nous, là, on a eu un changement d'évaluation au rôle. Je pense que vous l'avez tout vu sur votre maison. Là. C'est passé d'un montant à un montant quand même élevé, en moyenne de 30%. Pour nous, c'est 30% là, l'augmentation de la richesse foncière. Vous n'avez pas eu ça sur votre compte de taxes. Mais nous, c'est 30%. Fait que là, ça impliquait qu'il y avait une augmentation des coûts encore de 30%. Donc ça, c'était la contrat de la MRC d'Argenteuil, ce qui nous amenait quasiment à 260 000 $ par année, alors que ça leur en coûte 400 ou 450 en frais de gestion, je crois, dans la dernière entente. Ça se peut que mes chiffres ne soient pas exacts. Fait que si bien que le comité, là, oui, c'était une demande de l'Association de hockey mineur La Chute, mais pour nous, ce n'était pas une nouveauté, fait qu'on ne l'a jamais considéré comme un élément important dans la négo. Merci. Je pense que ça résume la prochaine question. Je la pose quand même. Monsieur Patrice Labelle, rue du Sanctuaire, j'aimerais savoir quelle était l'entente précédente avec la chute, versus leur nouvelle offre avant de connaître celle de Mirabel. Oui, on va la présenter un petit peu plus tard dans le tableau avec les chiffres très, très précis. Là. Je pourrais vous le dire, mais ça va être plus facile tantôt. Merci. La prochaine de Sabrina Plascadieu. L'an prochain, est-ce qu'il y aura une consultation formelle avec les citoyens de Saint-Colomban concernant l'expérience de la saison à Mirabel? Est-ce que cette expérience avec Mirabel, positive ou non, aura un impact sur la décision de la prochaine entente dans un an? Merci. Vous êtes toujours, toujours, toujours invité à partager vos commentaires et vos questions aux membres du conseil municipal. Je pense pas que c'est la volonté du conseil municipal d'organiser des consultations à chaque année, mais si vous vivez des mauvaises expériences, si vous avez des questions, puis vous avez des interrogations, inquiétudes, c'est un peu la norme, de nous informer pour nous assurer de prendre les meilleures décisions. Fait qu'une consultation en bonne et due forme, je ne crois pas. En fait, je pourrais dire pas du tout. Mais en même temps, on va être à l'écoute parce que les dates de renouvellement sont fixées au 1er mars. Donc, la décision, même Mirabel, s'ils veulent nous informer qu'ils ne renouvellent pas l'entente, c'est mars avant le renouvellement qui va être stipulé, quoi, le 31 ou le 1er juin? C'est quoi la date de l'entente? C'est le 1er juin. Oui, 15? Mais non, mais dans le fond, il faut qu'ils nous avisent. C'est la date de signature? C'est ça. Donc... Merci. C'était les questions qui étaient en lien direct avec l'entente. J'en ai d'autres concernant le hockey, mais qui s'apprêtent plus à la parole au public à la fin de la séance. Merci. Donc, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 1002-2022-03 relatif à la tarification des services municipaux 2022 modifiant certains articles. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, avec l'avis de motion, il y a un dépôt de règlement. L'avis de motion, ça souligne à la population qu'on va aller jouer dans le règlement. Puis dans la prochaine assemblée, il va y avoir une adoption. Je vais vous présenter un peu ce qu'il en ressort. En fait, on vient intégrer dans la tarification tout le matériel promotionnel
liés à la ville de Saint-Colomban, notamment les matériels aussi qui vont être en vente lors du FestiRock. On vient stipuler aussi qu'il y a des articles sans tarification parce que pour les articles inférieurs à 10 $ prix coûtant arrondi au dollar supérieur majoré d'un dollar. Et la partie qui vous intéresse, c'est la tarification hockey féminin, patinage artistique. Donc, l'article 6.11 du règlement 1002-2022 est remplacé par le suivant. La tarification applicable est celle adoptée par l'association responsable de l'activité, les ententes conclues et inclut les frais de non-résidents, le cas échéant. L'article 7.3, juste un instant, ouais, et inclut les frais non-résidents. Donc, on vient stipuler qu'on va rembourser finalement une partie de ce qu'on va voter ce soir. L'article 7.3 du règlement 1002-2022 est remplacé par le suivant, conférences et sorties culturelles. Donc, on vient fixer le prix des conférences payantes. Donc, c'est assez basique. Ça va être adopté à la prochaine assemblée. Point 2.1.5, approbation de la planification des besoins d'espace au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. C'est une obligation qu'il fallait faire avant le 13 juin. Donc, à chaque année, on reçoit le plan la planification des besoins d'espace. Donc, c'est là qu'on vient nous informer de ce qui est prévu en termes d'école sur le territoire. C'est une période, c'est sur 4 ans, je crois, 5 ans? 5 ans, 3 ans? Je pense que c'est 3 ou 5. Donc, là-dedans, vous allez voir que dans une perspective de 3 à 5 ans, là, mettons que je ne me rappelle pas de ça par cœur, il va y avoir une nouvelle école primaire sur le territoire de Saint-Colomban parce que les besoins sont trop grands. Fait que là, c'est un document qui nous est envoyé, qu'on peut faire des commentaires, recommander, puis tout ça. Mais ils viennent établir que dans leur perspective de croissance de population avec les jeunes, on va avoir besoin d'une nouvelle école. Il n'y a pas personne qui va être surpris ici, là. On le sait qu'il y a des classes modulaires partout, puis qu'il y a les écoles de bas. Fait qu'ils viennent répondre, puis ça vient aussi répondre à la perspective que la maternelle 4 ans s'applique à l'ensemble du territoire. C'est aussi inscrit là-dedans. Donc, le projet qui est prévu à Saint-Canute fait partie de ce plan-là. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une école secondaire à Saint-Colomban? C'est un horizon de 10 ans. Horizon 10 ans. Donc, on espère que ce soit avant ça, évidemment. Considérant le dépôt par le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord du projet de planification des besoins d'espace, considérant que conformément à l'article 272.7 de la loi sur l'instruction publique, la planification des besoins d'espace doit être approuvée par le conseil municipal, il est proposé d'approuver la planification des besoins d'espace telle que soumise par le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Jean Scrabé-Beaulieu, je le propose. Merci beaucoup. Donc, autorisation d'une signature d'une entente relativement au hockey mineur. Donc, oui, il va y avoir un petit délai de 30 secondes, j'imagine. OK. Excellent. Donc, derrière moi, là, il y a les scénarios. Donc, ancienne entente 2021 Argenteuil, là, c'est basé sur 171 joueurs. OK? Donc, les montants qu'on avait, nous, qu'on défrayait à la MRC d'Argenteuil, là, finalement, on l'a divisé par 171. Puis le coût moyen par joueur, parce qu'il y a des frais d'inscription qui diffèrent, là. Fait qu'on a essayé de prendre le prix moyen pour vous donner une idée, c'était de 1805 $ avant la fin de l'entente là, qui est pour le 30 juin, fait que ce qui était en vigueur. La Ville assumait 1355 $ par inscription. C'était ça la réalité. On venait finalement subventionner les coûts puis l'inscription que ça coûtait jouer au hockey. Fait que le coût pour les parents après remboursement des coûts de la ville, ça coûtait 450 $. OK? Ce qui était proposé par Argenteuil en 2022, donc c'est 1050 $ parce que là, ça inclut les frais de non-résidents à 600 plus les frais d'inscription. Encore une fois, les frais d'inscription, on a fait une moyenne à 450 parce que, bon, il y en a qui coûtent un peu moins cher, il y en a qui coûtent plus cher aussi quand on est catégorie junior. Fait que ça vous donne une idée, OK? C'est juste une référence. Donc, nous, ce à quoi on s'engage, c'est de faire un remboursement pour 2022 de 215 $. Okay? Donc, le coût final pour l'inscription à Argenteuil, selon la proposition qu'ils nous faisaient, comme j'ai dit plus tôt, c'était une proposition 3 ans, renouvelable 3 ans, c'était 835 $ par joueur. Okay? En tant que proposé par Mirabel, donc on a des coûts d'association à 240 $. Il y a les MAG. C'est ça les MAG? Oui. C'est comme ça s'appelle? À Mirabel, là, j'ai la feuille ici, là, c'est 150 $ pour les jeunes, par exemple, en 2021-2022, qui étaient nés en 2017, c'était 150 $ les coûts d'inscription. Puis c'était de 390 $ pour les juniors. Fait qu'on a mis ça un peu, tu sais, on a fait la moyenne de 240, qui correspond
aux catégories M9, M11, M13, M15, M18. OK? Donc, on a un coût d'association de 240 $ plus la proposition qui a été faite à Mirabel, 550 $ par joueur. Ça nous fait un montant de 790. On applique le même remboursement qu'on fait avec Argenteuil, puis ça nous fait par joueur un montant de 575 $. Fait que ça, c'est ce qu'on propose pour 2022. Là, évidemment, c'est une excellente entente parce que vous voyez, peu importe avec qui on s'entendait, là, on venait diminuer la contribution de la ville, OK? Le coût moyen par joueur. Ça, ultimement, c'était assumé par la ville. Ce à quoi on planche pour l'année 2023, c'est qu'on veut prendre cette économie-là, qui est quand même majeure, là, c'est plus de 200 000 $ peu importe avec qui on voulait s'associer. On veut prendre cette enveloppe-là puis s'assurer de travailler à un remboursement pour toutes les inscriptions aux activités sportives, nonobstant le sport qui est pratiqué. Donc, ça peut être la ringuette, ça peut être le hockey féminin, le hockey masculin. On a quand même une grosse enveloppe. OK? On n'a pas eu le temps de le calculer pour les inscriptions de Mirabel, mais pour le budget 2023, nous, on veut travailler sur le montant qui est remboursé ici en fonction de l'enveloppe qu'on a. Fait que, par exemple, on le sait actuellement, même si on s'inscrit au plongeon, puis ça coûte 1 000 $ par année, au karaté, gymnastique, ça peut coûter cher aussi. Actuellement, la politique de la ville, elle rembourse seulement 75 $ par inscription. OK? Fait qu'il y avait quand même une très grande iniquité de remboursement entre le hockey et les autres sports. On veut faire le portrait global de tout ça, inclure l'économie qu'on a fait cette année avec l'entente, puis on veut en faire bénéficier les jeunes et les jeunes sportifs. Puis ça, on veut le faire pour 2023 parce qu'on veut l'arrimer avec l'acceptation du budget. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui avec l'entente d'Argenteuil, c'était basé sur un 6 mois. Donc nous, on a déjà payé le premier 6 mois parce que cet hiver puis ce printemps, on était avec Argenteuil. Fait qu'on a déjà déboursé 110 000 $ pour 6 mois. Puis là, ça se peut que mes chiffres ne soient pas exacts, là, mais ça vous donne un portrait. Sur une entente de 220. Fait que là, on le sait qu'on économise ce montant-là, fait qu'on vient vous appliquer une réduction. OK? Puis on veut travailler l'an prochain à regarder est-ce que ce montant-là, moi, je pense qu'il va être plus élevé en fonction de l'enveloppe qu'on a puis la quantité de remboursement sportif. On veut l'appliquer au remboursement de tous les sports et arrêter de faire une espèce de ségrégation puis dire combien on rembourse là, combien. Puis tout le monde, ça s'applique égal. Fait que l'économie qu'on fait sur la négo qu'on a fait, qui a été une très bonne négo. Tu sais, moi, je suis très, très, très content d'avoir pu créer des possibilités. Ce qu'on veut faire, là, c'est d'en faire bénéficier le plus de jeunes sportifs, sportives sur le territoire. Il va y avoir des questions. Il va y avoir des questions après, Mme C. Fait que là, le coût là, qui se serait appliqué en fonction des nouvelles ententes, là, c'est ça. C'est ça qui va vous être chargé aux frais d'inscription si on avait accepté d'aller à Argenteuil ou Mirabel. C'est ça. Tu sais, le 15 juin, là, c'est ça qui va vous être chargé. Je m'excuse, je ne sais pas. C'est ça qui va vous être chargé. Vous allez amener la facture à la ville, on vous rembourse de 215, puis le prix final, c'est ce prix-là. Oui, ça, on le sait que ça inclut pas les chandails, on le sait que ça inclut pas les tournois, mais ce qu'on nous a envoyé comme information, c'est les chandails, OK, puis les tournois, là, il y a des campagnes de financement, puis ça peut être fait à Mirabel, puis il peut avoir un remboursement. Mais si on ajoute même le 100 $ ici, là, lié au tournoi, puis je sais pas si c'est un dépôt ou c'est un paiement, les chandails, c'est un paiement? C'est un dépôt ou un paiement? OK. Fait que, tu sais, même si on ajoute 200 $, on est quand même moins cher à ce qui a été proposé par Argenteuil. C'était 600. Non, c'était 600. Parce qu'il y a eu offre contre offre, blabla. Fait qu'en fin de semaine, ils nous ont proposé. Ils sont arrivés avec 650, puis là, en fin de semaine, ils ont proposé 600, mais c'était quand même moins cher que ce que Mirabel nous proposait. Fait que ça, c'est notre scénario sur lequel on s'est basé financièrement pour prendre la décision. Mais comme je vous ai dit, on a analysé la qualité des infras, la proximité, la qualité de l'assaut, l'encadrement au niveau des entraîneurs. C'est toutes des choses, toutes des informations qu'on est allé chercher. Fait que à ce titre-là, considérant que l'entente intermunicipale entre la municipalité régionale de Comté d'Argenteuil et la ville de Saint-Colombert relative à l'utilisation des arénas Pierre Pagé de La Chute et Gilles Lupien de Brownsburg-Chatham viendra à échéance le 30 juin prochain, considérant que la ville de Saint-Colombert négocie avec plusieurs partenaires afin d'obtenir la meilleure entente possible pour ses citoyens, considérant la proposition d'entente de la ville de Mirabel et de l'association de hockey mineur de Mirabel, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier a signé le protocole d'entente relatif au hockey mineur entre la ville de Saint-Colombert, la ville de Mirabel et l'association de hockey mineur de Mirabel. Est-ce que quelqu'un propose? Bien, Mirabel, je vais proposer.
Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la période de questions qui peut être un sujet d'intérêt public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur les coûts, la répartition des coûts? C'est le temps de poser des questions. Mais tantôt, encore Mélanie, on disait qu'il y avait quelqu'un sur les réseaux sociaux qui avait des réponses pour nous. Puis il y a un des enfants qui a soulevé le point de glace demi-glace. Est-ce qu'on pourrait avoir la réponse si nos enfants vont avoir glace demi-glace? Moi, j'ai pas ça, là. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a les réponses, il nous écoute. Oui, je comprends, mais vous pouvez aussi envoyer un courriel au directeur de l'Association de hockey mineur. Parce que c'est relié quand même à vos coûts par enfant. C'était juste pour vous mettre au courant. T'sais, je veux dire, c'est comme le temps de glace, glace, demi-glace, change beaucoup l'expérience du joueur. Je comprends. Donc, pour les coûts, je voulais juste savoir si ça avait été évalué, mais sensiblement oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais ça se fait déjà, ça se fait, tu sais, je pense que ça se faisait déjà à la chute quand Brownsburg n'était pas ouvert, là. Mais du junior sur une demi-glace, ça fait dur. Ben, je suis un peu d'accord, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans le passé, du junior demi-glace à quelque part. Non, on va voir à Mégabelle. Mais on verra, tu sais. On verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il y en a quelques-unes, M. le maire, mais j'ai peut-être un peu perdu le fil de vos réponses, donc je vous les pose quand même. J'ai Kim F. Barrette-Michel, rue Rochon, qui demande « Est-ce possible de savoir s'il sera possible d'être dans l'entente du protocole pour l'Association féminin du hockey des Laurentides, Mistral, Association hockey féminin des Laurentides? Nos jeunes filles n'attendent que cela. » Oui, c'est un autre protocole. Puis en fait, historiquement, là, on avait conclu que le remboursement était plus rentable que la signature du protocole. Je pense que c'est ça qu'à l'époque, vous vous étiez fait donner comme réponse. Mais ultimement, là, c'est le remboursement qu'on vient de stipuler, là, il va s'appliquer à toutes et tous. On ne fera plus de distinction entre le remboursement et l'inscription des frais de sportifs. Mais ce n'est pas la première fois qu'on reçoit cette question-là. Ce qui avait été évalué dans le passé, c'est que c'était plus rentable de ne pas avoir de protocole que d'avoir un protocole. Mais on est toujours ouvert à revoir les choses si le nombre d'inscriptions augmente. C'est un calcul mathématique. Ce n'est pas compliqué comme décision. Ben, là, ça veut dire que le calcul il deviendrait intéressant en matière d'intégration au protocole d'entente, parce que pour nous, c'était plus facile de rembourser des inscriptions que de signer un protocole en fonction du nombre de joueurs. Fait que si ça a augmenté, on est toujours prêt à le revoir, ça. Merci. La prochaine question de David Morin, rue Couture. Est-il possible d'avoir une petite aréna dans notre ville? Non. La réponse, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu les derniers coûts de construction d'aréna, mais une ville comme Magog a bénéficié d'une subvention à 66 % pour deux glaces. C'est sûr, c'est deux glaces, là. De 24 millions. Techniquement, là, c'est 66 % du financement de la construction. Donc, c'est un projet qui est évalué à 36 millions pour deux glaces. On est ici, là, on est dans le bouclier canadien, sans égout, sans aqueduc. Ça veut dire qu'il faut ajouter ces coûts-là. Puis, on avait regardé à l'époque un projet privé de construction de glace. Puis, tu sais, on avait regardé les éléments techniques à considérer pour construire un aréna. Puis, étant donné qu'on est dans un aqueduc qui dessert seulement des secteurs résidentiels, il faut s'assurer que la réserve nécessaire pour l'entretien d'une glace soit énorme et sous l'aréna. Donc, déjà, ça coûte cher à dynamiter. Il faudrait dynamiter encore plus creux pour mettre un réservoir. Si bien que les coûts pour 171 inscriptions actuelles, puis tu sais, je dis ça avec toute réserve parce que c'est clair que si on a un aréna dans une ville, c'est plus que 171 inscriptions qu'on aurait. Mais c'est quand même tout un investissement de mettre 20 millions dans une ville où, comme j'ai entendu plus tôt par M. Jobrun, on a des investissements routiers à faire sur la ville qui répond à des plus grands besoins et surtout répond à une plus grande proportion de la population. Merci. La prochaine question de Juliane Bélanger, rue du Havre. Pourquoi la Ville défraie des coûts pour le hockey, mais pas d'autres associations comme le football? On n'a pas de remboursement, c'est un choix personnel. J'ai répondu plus tôt. On veut régler ça pour 2023. Mais en fait, il y a même un remboursement qui s'applique, c'est 75 $. Ça, il faut se présenter à l'hôtel de ville ou au centre de récréatif et communautaire, montrer la facture, puis un remboursement maximal de 75 $. Nous, on veut travailler à rendre ça équitable, peu importe le sport pratiqué. Ça va venir en 2023. C'est un mandat donné dans la planification pour le budget 2023.
Merci. La prochaine question de Guillaume de Montcastel. Dans le fond, vous y avez répondu. Lui, c'était par rapport au golf pour le remboursement. Même chose. Judith Bourgeois-Saint-Nicolas, combien de personnes du public sont présentes dans la salle? Ouais, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une estimation? 27. Merci beaucoup. Donc, le greffier les a comptés une par une. 27 personnes. Juste un instant, on privilégie les gens en ligne, puis après, on va revenir à vous. En fait, il y avait 12 parents. 12 parents? 12 parents, exactement. 27 personnes, 12 parents. Pardon. Prochaine question de Nathalie Saint-Louis de la rue Félan. Savez-vous que l'AGA de Mirabel a déjà eu lieu et que les membres du CA ont été votés? Allez-vous présenter les ententes avant le vote afin que nous puissions en discuter avant le vote? Désolée, je ne peux pas être présente. Grosse urgence familiale. On s'en doutait. En fait, Mme Saint-Louis, ce n'est pas la première fois que vous semez des informations qui proviennent ailleurs que l'hôtel de ville et qu'on peut juger non officielles. Alors, je ne connais pas la réponse à vos questions. Je sais que je suis convoqué à une rencontre demain. C'est un CA. Donc, oui, il y a eu l'Assemblée générale, mais il y a un CA, étant donné qu'on entre finalement dans le protocole d'entente avec la ville de Mirabel. Il y a un CA qui nous est réservé. Et jusqu'à ce que nous nommions quelqu'un, je serai le représentant de la ville de Saint-Colombert. Pardon. Une autre question de Kim Eve Barrette-Michel de la rue Rochon. Encore en lien avec le hockey féminin, est-ce que le remboursement majoré indépendamment du sport serait pour cette année? Car malheureusement, 75 $ de remboursement n'était pas avantageux en lien avec le prix d'inscription. C'est pas 75 $ qui s'applique au Mistral. J'ai pas le chiffre. Là. Je fais appel à votre sagesse et vos connaissances. Ça représente quel montant? Donc, on me dit que le remboursement qui s'applique au Mistral est pas loin de 500 $ parce qu'on paye l'équivalence, finalement, entre ce qui devrait être payé à l'époque là, pour l'Association de hockey mineur La Chute. Donc, la différence de prix, la ville comblait la différence. C'est ça, puis ça représenterait 500 $. Fait que ça, c'était une entente spécifique du Mistral qui faisait pas partie, évidemment, du protocole d'entente, mais pour lequel là, la ville adhérait. C'est tout? Oui, ça fait le tour des questions. On a eu plusieurs commentaires, mais pour les questions, ça fait le tour sur Facebook. Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Vous avez la dernière. En 2023, tout sport va pouvoir être remboursé de 250 $. Non, non. Tout sport va pouvoir être remboursé, mais on veut prendre le temps d'évaluer c'est quoi l'enveloppe budgétaire disponible basée sur l'économie qu'on vient de faire dans cette entente-là. Pour s'assurer de trouver un montant équitable. Tu sais, je donne un exemple. Mettons, on a 100 000 $, mm-hmm. OK? Puis il y a 100 joueurs ou 100 sportifs. OK? Bien là, tu sais, on va faire un 100 000 divisé par 100, puis on va arriver à un montant où on arrive à être capable de rembourser l'inscription. Par leur coût d'équipement, de sport, de leur événement? Non. Le vélo de montagne. OK. C'est bon. Ça visait le vélo de montagne? Oui, c'est ça. Mais on veut plus faire de discrimination envers le sport. T'sais, quand on choisit de s'inscrire à une activité sportive, on veut que le remboursement s'applique de manière équitable. Parce que ultimement, c'est un choix individuel, hein, le sport que nous pratiquons. Fait que nous, la ville, on veut être équitable, que ce soit le vélo montagne, le ski acrobatique, le ski alpin, le plongeon, la gymnastique, le baseball. T'sais, on veut s'assurer là, que le montant qu'on rembourse, là, bien, c'est sûr, on ne remboursera pas plus que les frais d'inscription, là. Mais on veut s'assurer qu'il soit le même par famille. Tu sais, on va le topper, là, ultimement. Si ça coûte 50 $, on ne remboursera pas 500 $, là. Parfait, merci beaucoup. On a le temps d'y penser, à tout ce raffinement-là. Oh, et le mot de la fin, on le distribue. Juste dire un petit commentaire. La prochaine fois que vous allez négocier quelque chose, prenez le temps d'évaluer pas seulement le coût. Une décision d'affaires qui est seulement reliée à un coût n'est jamais une bonne décision. Fait que, tu sais, le hockey, ça touche beaucoup de choses. C'est un petit peu comme les routes, si on peut en parler, là. Si vous avez 3 soumissions, là, allez-vous vous informer comment ils vont en faire la route? Ça dépend de la soumission, parce que des fois, c'est par appel d'offres public, on est soumis au plus bas soumissionnaire. Mais je comprends votre question. Vous comprenez? C'est l'exercice qu'on a fait. Que, honnêtement, là, mon gars, aujourd'hui, cette année, il a été joué ailleurs. Ça a super bien été. Mais ce qui est important, c'est pour ce qu'on va jouer. C'est ce que ça englobe pour les jeunes. C'est exactement le processus qu'on a fait. On a pris le temps de s'informer sur la qualité des choses. Ce que vous proposez là d'un an,
ça n'a pas tout été fait. Mais je l'ai dit de manière transparente, monsieur. Ouais, le seul avantage que Frère Janteuil, c'était une garantie de durée. Oui. Puis la façon que ça se passe, il y a eu plein de questions sur le hockey, puis vous n'êtes pas au courant, vous ne le savez pas. Vous signez quelque chose. Je comprends que c'est l'association. Moi, mon travail, là, c'est ça. Mon travail, ce n'est pas d'approfondir ce qu'une association va prendre comme décision. Si vous voulez prendre une décision éclairée, c'est votre devoir d'aller plus loin dans quelque chose comme ça. En fait, la vraie décision qu'un conseil municipal a à prendre dans des cas comme ça, là, on traîne un historique, puis tu sais, je comprends, là. Mais la vraie décision, là, c'est à quel point la Ville désire accompagner ces jeunes sportifs, à quel point on veut les encourager à participer à un sport. Après, là, comment les associations là, décident avec qui s'associer, là, ça ne devrait pas regarder un conseil municipal, bien honnêtement. OK, on le fait parce qu'on a un souci de la communauté, mais ultimement, il y a beaucoup de questions que j'ai entendues ce soir là, qui devraient être envoyées auprès de l'association de hockey mineur. Soit Mirabel, soit Argenteuil, soit Régie, puis tout ça. Il y a beaucoup de trucs que j'ai entendus, là, qui doivent, tu sais, puis on a besoin de rassurer les gens, je comprends, c'est des changements, je le comprends. Mais il y a beaucoup de ces réponses-là qui sont pas, c'est pas à moi à les connaître. C'est à l'association de hockey Mirabel de prendre le temps de répondre aux craintes et aux appréhensions des gens pour pouvoir, tu sais, réconforter, puis diminuer les appréhensions. Moi, je suis pas impliqué dans le hockey mineur Mirabel. J'ai pas le temps, là. Je peux pas faire ça. Je comprends, mais en prenant une décision pour la population, encourageant les jeunes à faire du sport, bien, je pense que c'est une base quand même. Ben, on a écouté. Un minimum. On a écouté, on a entendu, on a pris en considération, tu sais, je l'ai dit, la qualité des infras, l'encadrement des coachs, le processus de sélection des joueurs. Ça faisait 2-3 ans là, que la glace était long à geler à Brownsburg, puis là, il y avait une contrition au niveau des heures disponibles de glace. On le savait, ça. T'sais, on l'a tout analysé. Là. OK. Puis une question, je veux savoir si vous êtes au courant, si c'est vrai que Mirabel a approché Argenteuil pour avoir des heures de glace. Aucune idée. Je ne savais pas. Aucune idée. Je ne sais pas. C'est bon. Merci. Ça aussi, tu sais, ultimement, ça sera c'est une excellente question à poser à l'Association de hockey mineur de Mirabel. Ça serait un petit peu... insultant de changer de place puis de se ramasser aller jouer à la chute. Je comprends parfois que c'est un milieu... Vu que c'est plus loin, ça serait choquant de payer plus de gaz pour retourner jouer à la chute à la place de rester... Mais ça vous coûte moins cher par année. Ah, puis le coût, c'est pas vraiment important. On verra. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de cette séance extraordinaire? Je vais la proposer, M. le maire. Merci, Mme Scriven. Donc, un bon retour à la maison et bon début d'entente. Et je vous le dis, le conseil est disponible à vous entendre dans l'éventualité où il y a des problématiques, des inquiétudes. C'est mon travail de le transmettre au CA et de s'assurer que la transition se fasse de la meilleure façon possible. On se voit le 14 juin prochain pour la séance ordinaire du conseil municipal. Grand merci à tout le monde. On espère qu'on a répondu à toutes les questions. Je remercie Mme Saint-Pierre-Desjardins. Parfois, c'est très, très difficile de suivre les questions dans le fil. Donc, si on en a manqué, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, normalement, ou de les écrire en répétition sous le fil de la publication. On prend le temps dans les jours qui suivent de répondre aux questions et d'envoyer les réponses. Merci beaucoup, tout le monde.